On est partout. Président de Dogtown, votre attention. Ici Kurt Hansen. Un avion banalisé s'est écrasé dans notre quartier. L'accès au site du crash est désormais interdit. Mes hommes vont le sécuriser. Quant à vous autres, rentrez chez vous et restez-y. Moi, bien sûr, que vous ne souhaitiez prendre une balle perdue. J'instaure l'état d'urgence à Dogtown jusqu'à nouvel ordre. Vous serez informé des évolutions de la situation. Ça fait zizir. Alors, oui. Par contre, faut que je sache où ça se trouve. Attends, quoi? Ah! Ok. Ah bah ça fait zizir. Ouais, par contre, ouais. Bon. Putain de bordel de cul. Il est temps de retrousser vos manches. Inutile. 3, 2, 1. Parfait. Dirigez-vous vers l'ascenseur de l'autre côté de la pièce. Ça doit être l'un des entrepôts de Hansen.
Il faut qu'on trouve un ascenseur de l'autre côté de la pièce. J'ai rien compris. Ça sert à quoi cette vue, putain? À quoi elle sert? Bande d'enculés, va. Ah, ça fait zizir! Putain, ça fait zizir! Je suis aux anges! Ah! Ça sert à quoi? La vue ne sert à rien! C'est pas un FPS, bordel! La vue, elle sert à rien! On doit avancer! La vue, elle sert à rien, c'est un putain de jeu, Il y a de l'infiltration. C'est un jeu où tu passes plus ton temps à dialoguer avec des personnages. Là, tu vas avoir une séquence d'FPS, mais dans le jeu, c'est pas comme ça. Dans le jeu, la majeure partie du temps, moi, je butais des gens. Là, c'est parce que c'était le DLC. Et le DLC, c'est plus... Le DLC est plus cloisonné. On te demande, à un moment, tu dois... Putain. Oh, le cauchemar. À un moment, tu dois faire ça. Je t'arrêterai pour réfléchir plus tard. À un moment, il y a une partie FPS. Le jeu, le DLC, il est plus en mode. T'as des phases d'FPS, t'as des phases d'infiltration, t'as des phases de véhicule. Là, c'était clairement une phase de véhicule, mais c'est tellement de la merde que j'ai pas pu utiliser le véhicule tellement qu'il était injouable. C'est eux qui comprennent rien. Vous êtes cons, quoi, putain. Vous vous arrêterez pour réfléchir plus tard. C'est pas un putain d'FPS, c'est de la merde. C'est l'FPS le plus nul à chier de tous les temps de fils de pute, là. Enfin, je comprends pas, comment on peut accepter ça, quoi. On doit avancer. Ça aurait pas dû être un FPS, bordel. Enfin, ça aurait pas dû être un jeu à la première personne. Bordel de cul, là. Enfin, je dis pas, c'est... Niveau scénario, c'est plus intéressant que n'importe qui, mais c'est pas très compliqué d'un autre côté. Les jeux, ils ont quasiment pas de scénario. C'est putain de jeu de merde, là. Vous vous arrêterez pour réfléchir plus tard. Oh là là, quelle arnaque! Non, c'est pas une arnaque! Oh! Quoi encore? On doit avancer! Vous vous arrêterez pour réfléchir plus tard. C'est des gringos. On a toujours ces putains de statues quoi là. Encore ces putains de statues. Ces putains de statues de merde là. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Bah, elles sont là depuis le début du jeu, qu'est-ce que c'est, ces conneries? Bah, encore une fois, c'est gâché, pas. C'est bon? C'est gâché. Je m'arrêterai pour réfléchir plus tard. T'es pas drôle. C'est gâché par cette vue de merde, quoi. C'est... Disons que c'est le jeu le plus. Acceptable, même pas un jeu de ouf, hein. Personnellement je trouve pas que Cyberpunk soit un jeu de ouf, et à cause de cette vue de merde, c'est vraiment gâché. Pour réfléchir plus tard. Mais c'est le moins pire de tous. Après on verra pour Alan Wake, pour Alone in the Dark, on verra pour tous ces jeux là. On verra ce que ça donnera avec tous ces jeux là, mais pour l'instant... Jamais je lui mets un truc sur la tête à elle. Jamais de la vie.
Sauf si c'est une couronne ou un truc comme ça. Non, même pas une couronne. J'ose pas lui mettre peut-être des lunettes. On peut pas. Tiens. D'accord. Ça fonctionne. Bizarre. Y'a rien de kiffant là, que de la merde. Y'a pas un truc stylé. Là, ce qu'elle porte, c'est pourri. Oh là, je me suis chié dessus. J'ai fait... Oh, c'est... Par contre, je suis dans la merde, moi. Ouais, non. Tu connais. Sans elle, je suis dans la merde, moi. Je suis dans la méga merde. Qu'est-ce que je pourrais... supprimer, me débarrasser. Bon, ben on va se débarrasser de celui-là, là. C'est bon? Ouais, c'est bon. On verra ce que ça donne. C'est vraiment de la merde. Quoi encore? On doit avancer. Je suis dégoûté, moi. Dégoûté. Bon, après, voilà. Bon, Assassin's Creed, laisse tomber, ça m'intéresse pas. Je me suis tapé, et puis moi, j'ai pas compris ce délire de... Il y a tout un tas de journalistes là qui nous cassent les couilles à dire des... Ils disent tous les mêmes merdes. C'est vraiment... tous à dire de la même merde et tout. Ouais, c'est un retour aux sources. Mais fermez... Vous arrêterez pour réfléchir plus tard. Fermez vos gueules. Il y a un retour aux sources de rien du tout. Il y a rien qui a changé. C'est exactement la même chose que les anciens Assassin's Creed. On a l'impression d'être dans Assassin's Creed Origin. Franchement, ressources de rien du tout. Quoi encore? On doit avancer. Ressources de mes couilles, ils se mettent tous à dire la même chose à l'unisson comme des putains de robots là, putain de. Y a rien du tout de ressources, là. C'est juste la même merde. On se tape les mêmes. Vous arrêterez pour réfléchir plus tard. Y a rien qui a changé pour moi. Enfin, je veux dire, c'est pas de retour. En plus, moi, je mets pas les Assassin's Creed de l'époque. Quoi. J'ai pas aimé le 1, j'ai pas aimé le 2. J'ai détesté le 1 et le 2. Le seul que j'ai bien aimé, c'est Syndicate. Voilà. Quoi encore? On doit avancer. Syndicate. Et c'était vraiment parce qu'il y a la relation entre les deux jumeaux. Je trouvais ça excellent. Mais sinon, à part ça... Pour moi, dire retour aux sources, pour moi, c'est pas signe de... C'est vous pas... arrêterez pour réfléchir plus tard. Ça veut pas dire que c'est bien, quoi. Parce que j'ai pas aimé les premiers Assassin's Creed, donc ils m'ont juste fait chier. Ça fait toujours chier Assassin's Creed, c'est toujours ennuyeux, mais là c'était très très ennuyeux. J'ai jamais compris ce qu'il y avait de kiffant dans les premiers Assassin's Creed. Je me suis fait chier, je me suis forcé à les terminer, et je me suis endormi en y jouant. Vous vous arrêterez pour réfléchir plus tard. C'était vraiment de la merde. Donc retour aux sources de ton cul, c'est de la connerie tout ça. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Voilà, c'est la... Vous entendez ça? C'est la phase de shoot. Merde! Ces fumiers ont retrouvé notre trace! Songbird? Hey, j'ai une mauvaise nouvelle. Les chiens de Hansen ont senti votre odeur. Ils vont passer à l'attaque. Ils ont dû vous repérer quand vous étiez dehors. Peu importe. Préparez-vous! Et maintenant? J'ai une petite surprise pour nos invités. Je suis à vous dans quelques instants. Là, on peut pas se cacher, ils vont nous repérer direct. Descendons! Voilà. Bah, on n'a pas trop le choix, là. Occupez-les un peu, le temps que je finisse. Myers, il faut qu'on les allume. Song prépare un truc. Ah mais... Oh, oh.
Et je fais comment moi? Ils sont tout en haut. Je ne me ferai pas encercler. C'est quoi cette merde? Ah, et ça va, ça va. Oh, excellent. Bon. Ils s'en souviendront. Bah voilà. Je veux voir tes tripes. Ah. Mais très bordel. Ah, c'est pas... Voilà l'artillerie lourde. Ah. C'est quoi ce délire? Bon. Ça commence à chauffer ici, Songbird. Qu'est-ce que je peux? Tenez bon. C'est vachement... C'est vachement dynamique, hein. C'est Cyberpunk. Infiltration. FPS. Voilà l'artillerie lourde. Sniper, descendez-le. C'était un coup de maître. Encerclez-la. Merde. Je suis presque encore un peu de perte à fondre. De ce calibre. Merde. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est toi! Il gagne du terrain! Voilà l'artillerie lourde! Je recharge, non, non, non! Couvre-moi! 70%! Je vais te déchiqueter! 90! J'ai une surprise pour toi! C'est bon! Oh putain de merde! Il bouge! Je te présente une Chimera, un prototype de combat de l'écurie militaire. Oh putain de merde! Merde! Tenez votre position! C'était vraiment nul, hein. Putain, quoi? Le Chimera! Ah! Merde! Le pétrole! Songbird? Qu'est-ce qui t'arrive? Bordel, mais qu'est-ce qui se passe, mais? Je sais pas! Song fait une crise, on dirait! Mais bordel, Sommé, foutez-lui une muselière à ce truc! Par ici! Ah merde, vite, attends! Par ici! Plus vite! Ah, allez, debout! Courez! Rien là. Là, l'escalator, allez. Merde, comment? V. Non. J'ai oublié qu'on se baisse. On se baisse plus avec rond dans le jeu. J'avais oublié que c'était R L R. Je sais plus. C'est plus avec rond. On se baisse plus avec rond. D'accord. Ah, allez, debout, courez. Ça c'est une séquence
à la Uncharted. Là, l'escalator, allez! Comment... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé quoi? J'ai pas compris, là. Quoi, je rêvais pas à me baisser. C'est... Ah! Allez, debout! Courez! Ouais, je vois pas mon personnage, donc je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il branle. Je sais pas s'il court, s'il marche, je sais pas. Et c'est de la merde, cette vue, c'est de la merde, putain, ça sert à rien. Ah, allez, debout, courez! Ah. L'escalator, allez! Ah! Merde. Ah, c'est de la grosse mise en scène là! Par ici, V! Là-haut! L'ascenseur! Allez, bouge, putain! Voilà, c'est bon! L'ascenseur est en route! On reste à couvert en attendant! Putain de merde! C'est bon? Bon allez. Ouais, tu vas? Myers, montez! Myers, montez! Oh merde! Tu veux jouer? Ok, on va jouer. Et ben voilà. Ah, tous, ça se résume à des QTE là. On enchaîne les QTE là. Là, on enchaîne tous les QTE là. C'est what the fuck. Alors, je dis pas qu'on doit affronter le robot, mais on serait dans Horizon, on aurait affronté le robot là. Là, on fait qu'enchaîner les QTE. Je dis pas qu'on va pas l'affronter à un moment donné, mais bon. Je me souviens pas qu'il y ait des QTE dans Horizon. Je suis pas un grand fan d'Horizon, surtout au niveau de son scénario et ses personnages inintéressants. Mais bon, moi il y avait... Voilà. Il y avait du gameplay. Quand on affrontait un robot, ben on l'affrontait, quoi. On n'appuyait pas sur un bouton pour esquiver. Enfin si, on esquivait, on appuyait sur des boutons, mais c'était pas des QTE. Là, on a enchaîné des QTE. J'ai rien touché. Hein. J'ai laissé la cinématique se dérouler sans faire les QTE. Voilà. Quick time event. Pourtant, personnellement, j'ai rien. Enfin, si, cette vue me fait chier. Moi. Donc, je vais cracher à la gueule de jeu parce que cette vue me fait chier. Voilà. Cette vue à la première personne me casse les couilles. Peut-être que si le jeu aurait été à la troisième personne, on aurait eu un combat avec le robot. Comme dans Horizon. Parce que la plupart du temps, on a des combats contre des robots comme ça, on a des combats contre eux. On n'enchaîne pas les QTE. Après, c'est plus réaliste, hein, parce qu'en vérité,
face à un robot comme ça, tu fais pas long feu. Mais bon. Moi, on n'enchaîne pas les QTE. Enfin, l'hypocrisie de ces putains de journaleux commence à me péter les couilles. Et y a pas que les journaleux qui sont hypocrites. Même ces fils de pute de... Ces enculés de entre guillemets de joueurs sont des putains d'hypocrites quoi. C'est pourtant j'ai rien contre, enfin si j'ai la haine contre Cyberpunk, mais c'est surtout ça vu la première personne. Mais on va pas se le cacher, dans Horizon quand on affronte un robot on enchaîne pas les QTE. J'ai fait Horizon 1, j'ai fait Horizon 2. Face à un robot comme ça on enchaîne pas les QTE, c'est tout. Là on a enchaîné QTE sur QTE, là je savais même pas à quoi ça servait, putain. On aurait pu le bastonner. Après, je dis pas qu'on va pas le faire, mais je me souviens pas avoir enchaîné les QTE face à un robot. En général, face à un robot, c'est pas très crédible, mais au moins on joue. Hein, face à un robot, on joue et on le tue. C'est chiant, ça casse les couilles, mais on réussit à le tuer, on le tue, quoi. Donc je comprends pas pourquoi les gens, ils ont... Bon, là, pour le coup, c'est surtout les joueurs qui crachent sur... Pas forcément les journaleux. Là, pour le coup, c'est différent. C'est tout un tas de fils de pute, entre guillemets, de joueurs, même si je pense pas que ce soit des joueurs, tellement que c'est des enculés, qui crachent sur Horizon. Mais finalement, les journaleux, ils ont dit que le jeu était bien. Mais c'est surtout ces fils de pute de joueurs qui crachent sur le jeu. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je crois savoir pourquoi, mais c'est vraiment des petites salopes, hein. Mais voilà, quoi. Alors qu'ils se branlent les couilles sur Cyberpunk, putain, moi, j'aurais adoré Cyberpunk s'il était là pour troisième personne, bordel de cul. Fils de pute. Tu es ta race de merde. Putain d'enculé de CD Projekt. Et votre jeu à la troisième personne, bande de chien de la casse là. Ah, allez, debout, courez! Mais tu vas courir, salope! Escalator, allez! C'est de la grosse mise en scène. À la troisième personne, ça aurait tout déchiré. C'est de la grosse mise en scène. Là-haut, l'ascenseur! Ça aurait dû être à la troisième personne. Allez, bouge, putain! Voilà, c'est bon. L'ascenseur est en route, on reste à couvert en attendant. On va jouer. QTE. Merde. Et maintenant. QTE. 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 Oh merde. Je comprends rien à ce que je vois là. Tout ça parce que c'est la première personne. Je ne comprends rien à ce que je vois. Comment on peut dire que ça c'est bien? Putain de fils de pute là. Je comprends rien à ce que je vois. J'ai rien compris à ce que je voyais. C'était catastrophique. Comment on je peut vous interdis de mourir. Je devrais survivre. C'était bien. Quoi ce... Parfait. C'était quoi ce doublage pourri? On l'a eu cette saloperie. Ah sérieux, on l'a eu? C'est une blague? Avec des QTE? Je crois que je me suis pété une côte. Je crois que je me suis pété une côte. C'est tout?
Vous allez vous en remettre. Oh, on peut pas rester ici. Vous pouvez marcher. Saloperie de merde! Tu as crevé, oui? La chute lui a causé des dégâts. Allez, il est temps de l'envoyer à la casse. Ok, on l'affronte. Détruisez cette saloperie! Visez les parties exposées, c'est notre seule chance! Merde! Oh putain. Oh, je comprends rien ce que je fais. Visez là où ça fait mal! Bah, je sais pas où ça fait mal. Et c'est quoi cette arme à la con? Y'a tellement d'armes pourries dans ce jeu. Enfin, tellement d'armes que je sais même pas. Oh! Mais ah, tu vas courir, salope! Attention au laser! Ouh, le laser! Bon. C'est quoi, je suis censé tirer sur quoi là? Allez, fils de pute! Viens me chercher! Putain! Bah, tu sais. Oh! Mais tu vas courir, bordel! Je sais pas sur quoi je vais. On s'est tiré sur quoi là? Je fais zéro dégâts là. Ah. Scannez-le, V! Repérez les failles dans son blindage! Ah merde! Attends! La tourelle est activée! À couvert! Ouais. Tiens, surchauffe. Ah mais tu vas bouger. Ah je bois rien putain. Tu veux jouer au plus dur? Je vais te montrer. Mais je scanne de quoi là? Et moi? Ah poussez-vous. Vous faites pas griller! À couvert! Je comprends rien. Je vois. Ah, ça c'est plus à la première personne, je suis bloqué de partout là! Je comprends rien. Scannez-le, V! Repérez les failles dans son blindage! De quoi tu parles, meuf? Quelle faille dans son blindage? Je vois rien là! Bah, attends, c'est ce que je viens de dire il y a deux secondes. Non, fusil à plomb, fusil d'assaut peut-être. Encore là, je suis en mode facile. Avec V féminine. V masculin, je vais en chier.
vois pas. Je comprends rien. Ils sont où les... C'est... Je comprends pas. C'est où c'est... Je comprends rien. De quoi tu me parles? Je comprends dans Horizon Final Fantasy, je comprends, mais là je comprends pas. La tourelle est activée! À couvert! Eh merde! Eh merde! Merde! Attends! Attends! C'est bon? Attention au laser! Oh putain! Oh là là, ça a tellement pas de patates! Je suis en train de lui cracher Visez dessus! Visez les parties vulnérables! On va la voir! Hein? Merde! Il résiste encore! Remuez-vous! Oh, c'est quoi ça? Technique! Empêchez-les de retaper le plus grand! Ah, tu vas crever, putain! Je suis en train de crever, là. Descendez ces putains de drones! Il n'y a pas de patates. Oh. C'est un truc de ouf. T'en veux encore? Ah merde. Je comprends rien là. Chimera, ils ont joué à Final Fantasy VII. Hein. Il a juste sa visée. Bougez. Dégagez de là. Le problème c'est que je comprends rien. Autant Final Fantasy VII, je comprends, mais alors là, je comprends rien du tout. Attention au laser! C'est pas ce que je fais là, je tire, je vois pas les parties les plus vulnérables, je comprends rien. Bien gentil de copier Final Fantasy VII, mais faut bien faire ça parce que là c'est de la merde. Ah, je tire n'importe comment, je fais n'importe quoi. Oh, ça lui fait quelque chose ou pas? Prenez de la hauteur! Attention! Merde. Merde, attends. Ah! Ah oui, mais je vois rien! Bon bref, il va mourir.
débile, ne lui offrez pas une cible facile. C'est bon, il est mort. Putain de merde, vous foutez quoi? Sautez dessus et achevez-le, V! La trappe est ouverte, V! C'est maintenant ou jamais! Bah, envoyez-le oui, à la casse! Bah, c'est bon, tu vas te calmer là! Oh! V, attrapez! Faites-lui goûter! Je te dis bon avant-culé! Beau travail! Et bon putain de débarras! Le noyau du Chimera. Vas-y, on va prendre le noyau. Pour la défense de la nation, mon cul, ouais. On a eu chaud. Hey, c'était du beau travail d'équipe. Bon, par contre, l'autre connasse... On a aussi eu de la chance, V. Beaucoup de chance. L'autre connasse, elle nous a foutu dans la merde, hein. Prenez ce que vous pouvez et sortons d'ici. On doit bien y avoir une sortie quelque part. J'ai rien compris à ce combat. Ça n'avait aucun sens. Les parties vulnérables, je les ai pas vues. À part tirer sur le robot, c'était nul, c'était mou, c'était de la merde. C'était... Ah, c'était de la merde. Hein. Putain. Ah, ça m'a fait penser à Final Fantasy VII, mais en tout pourri. Bon, avec des personnages moins coincés du cul, ça, ok, je veux bien, mais bon... Le combat en lui-même, il était nul à chier, quoi. J'ai rien compris. Qu'est-ce qu'étaient les parties vulnérables? J'ai rien compris. C'était vraiment de la merde. Mais alors, vraiment de la grosse merde. Ouais... De toute façon, si j'ai envie de jouer à Assassin's Creed, il y a Horizon, il y a Origin, il y a Odyssey, Horizon. Non, y a... Assassin's Creed Horizon n'existe pas encore. Mais bientôt, bientôt, un jour. Un jour peut-être. Assassin's Creed avec des robots. Odyssey, Valhalla. J'ai de quoi faire, donc franchement, je veux pas perdre mon temps avec un Assassin's Creed Mirage de mes couilles là. Qui va plus me fatiguer qu'autre chose. J'ai rien contre le jeu, mais... Par contre, Star Wars, Jedi, mes couilles, là, par contre, ça m'intéresse. Jedi, non, Star Wars... Comment il s'appelle? Star Wars Out... Hors-la-loi. On va hors-la-loi. On va placer Jedi hors-la-loi, quoi. Ah, le combat, il était tout naze. Par rapport à d'autres jeux, le combat était tout pourri, quoi. Vraiment de la merde. J'ai pas compris où étaient les parties vulnérables, j'ai rien compris. Je vais galérer avec V masculin. Ah, c'était en mode facile, donc ça allait, mais avec V masculin, je vais galérer, quoi. Enfin bref... Le combat était imposé là. Vu qu'on est dans un niveau beaucoup plus cloisonné. Mais bon, voilà, c'est vraiment catastrophique ce jeu est catastrophique. Vivement The Witcher hein. Remake. On arrête les conneries là parce que c'est du foutage de gueule. Hein. Passe aux choses sérieuses là parce que ce cyberpunk ça a duré des années en plus. Bon allez, en 2015 il y avait The Witcher donc ça passe. On va dire de 2015 jusqu'à... Avec les DLC de The Witcher, je sais pas quand est-ce qu'ils sont sortis les DLC de The Witcher. Donc de 2015 jusqu'à... Allez 2016 jusqu'à 2020 putain quand même. 2016 jusqu'à 2020. Oh putain. Non 2023. Puisque là on est en 2023. Après, les mecs doivent enchaîner avec The Witcher Remake. On aura peut-être enfin un bon jeu de la part de CD Projekt, parce que moi, je suis désolé, ça, c'est de la merde. Ce jeu Cyberpunk, c'est de la merde, ça restera de la merde. Même s'il y a des trucs que je reconnais que c'est bien, ça restera de la merde. Pour moi, ça sera jamais un bon jeu. Ça restera toujours un jeu de merde. Cette vue à première personne...
C'est de la merde. Oh, elle a pas de force. Déjà, probablement, si tu voulais que V féminine soit l'héroïne, fallait faire en sorte que V féminine soit l'héroïne, connard. Fallait pas faire en genre en mode oh, mais c'est V masculin le héros, finalement c'est V féminin l'héroïne. Le mec il n'existe plus, V masculin il n'existe plus quoi. Même pas une image sur lui quoi, rien. À un moment donné, faudrait se décider les mecs. Au moins avec The Witcher, c'est que Geralt. Y a pas de. Enfin, The Witcher remake. Parce qu'après il va y avoir les The Witcher de merde là qui vont sortir. Où on va choisir une sorceleuse. Et là, ça va être bien la merde. Là. Ça sera un sorceleur, une sorceleuse. Ça va bien me casser les couilles. Ça va être bien de la merde. De toute façon, le remake, je pense qu'il va être tellement différent du remake. Ça va faire comme Alone in the Dark. Le remake est tellement différent du jeu de base, que c'est carrément un nouveau jeu, quoi. The Witcher premier lieu était très pourri, quoi. C'est tellement un jeu de merde. Il était dépassé dès le début, quoi. Donc, voilà, quoi. Il était dépassé depuis qu'il est... Dès la sortie du jeu, il était déjà dépassé. Donc là, on aura... Voilà, si... Au moins, si on a un truc à la The Witcher 3... Moi, j'adorais les combats de The Witcher 3. Moi, je trouvais ça excellent, quoi. Les petites esquives, pas de côté, ça c'était bon ça. Ça c'était du bon gameplay. Même s'il y en a qui aimaient pas, mais qui allaient se faire enculer. C'était du bon gameplay. The Witcher 3, j'adorais les combats. J'adorais ça. Ça c'était du bon combat qui déchirait. Voilà. Pas besoin de ces conneries de... Ces conneries de Souls. The Witcher faisait bien le taf. Ah oui, putain, j'espère que ça va pas devenir un Souls, The Witcher. Ah, surtout pas, hein. Pas de ça. Pas de ce genre de saloperie, pas de ça chez moi. Pas un The Witcher qui devient un Souls, hein. Alors ça, c'est... En plus, je pense que c'est des projets qui sont pas dans ce délire-là. Eux, ils aiment bien quand il y a de la narration. Après, je m'en... C'est quoi, ça? Après, dans la... tant qu'il y a de la narration, je m'en fous que ça devient un Souls. De toute façon, il y aura... Non, je mens. Ouais, enfin, faut pas que les ennemis réapparaissent. Moi, ça me ferait chier que les ennemis réapparaissent. Je sais pas, on verra. Mais ça risque peut-être de devenir un Souls. Mais si c'est un Souls à la Star Wars Jedi Fallen Order, à la limite, bon, ça peut passer. Tant qu'il y a un scénario, moi je m'en fous. Tant qu'il y a de la narration... Mais de toute façon, il y aura des niveaux de difficulté, donc en fait, on s'en bat les couilles. En fait. Mais c'est vrai que... C'est... Ça veut dire que Geralt, à un moment donné, il va se mettre à... Comment on appelle ça? Il va se mettre à méditer, et là, tous les ennemis réapparaissent. Ouais. Je suis pas fan de ça, par contre. Comme dans Star Wars, je suis pas trop fan. Bon, je crois qu'on a fait le tour, on a tout looté. Il y a tout un tas de munitions là, je sais pas ce qu'il se fout là, à part pour récupérer un max pour... C'est là pour V quoi. Pour que V puisse avancer dans le jeu, c'est vraiment. Ce DLC il est pas ouf. Hein. Il est vraiment pas ouf. Il est bizarre ce. Enfin, il est pas bizarre, mais il est vraiment. Enfin, j'aime quand c'est cloisonné, mais là, je sais pas, c'est pas ouf. Il y avait toujours ce côté monde ouvert dans The Witcher. Dans le deuxième DLC. Tout ça. Il y avait ce côté monde ouvert. Là, c'est vraiment cloisonné de chez cloisonné. Un peu comme ruine de Security Breach. C'est cloisonné de chez cloisonné. Autant... Merde, Security Breach était... Entre guillemets, ouvert. Et ensuite, Ruin est devenu très cloisonné. Ben, ça fait pareil avec Cyberpunk, le DLC. Bon, pour l'instant, c'est que le début, mais pour l'instant, je suis pas spécialement... Je ne trouve pas génial le DLC. Voilà. Et puis, quand on nous impose des combats comme ça, des combats pourris comme ça, c'est pas... Et puis, c'est du bien la première personne de merde, voilà.
parfait. J'espère qu'on pourra ressortir de l'autre côté. Songbird a dit de rester dans les tunnels jusqu'à Elizabeth Crest Street. Au fait, des nouvelles d'elle ? Aucune. Silence complet. Vraiment ? C'est mauvais signe. Non mais elle vient... Cette connasse, elle vient... Elle a failli nous tuer. Donc on l'emmerde. À cause d'elle, on a failli crever. Je comprends pas les trucs avec... Là, il y a marqué que j'en ai que deux. Je comprends rien. Il y a une trappe juste ici. On pourrait essayer de sauter. Par contre, j'aime bien quand il y a un personnage qui nous accompagne. Allez ! Merde ! Oh là là, putain. Je suis tellement dégoûté. Le jeu, il aurait été tellement mieux à la troisième personne, putain. Ça aurait été beaucoup plus logique. Autant Halo à la première personne, c'est logique. Franchement, la troisième personne, elle sert à rien. Autant ne là... Ne perdons pas de temps. Là, le jeu, il aurait dû être à la troisième personne, putain. Ça me fait mal au cul, quoi. Là, j'ai joué à Halo. Je comprends. La première personne, je la comprends totalement. Et franchement, c'est plus dynamique. Les gunfights sont plus... ont plus de peps. C'est un vrai FPS. Quoi encore ? Là, c'est... On doit avancer ! Là, c'est mou du cul, là, c'est... Non, il a des parties légères, enfin, des parties vulnérables. J'ai rien vu, j'ai pas fait gaffe. Ah, ok, d'accord. Bon. Vous vous arrêterez pour réfléchir plus tard. Oh, oh putain. Oh, le bug. Ça pique. Hein. Y a même pas de parcours dans le jeu. Y a pas de verticalité, c'est des... Où tu la vois ta verticalité, connard? Dans ton cul, ta verticalité, fils de pute. Attendez, V. Faisons une pause. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qui vous travaille? Je n'aime pas ça. Vous pourriez essayer de rappeler Somi? Voilà, pourquoi elle a fait la grosse voix comme ça? Qu'est-ce qui vous travaille? Mais qu'est-ce qui te travaille? Eh oh, calme-toi, meuf. Elle a pris des hormones pour avoir une grosse voix comme Mon ça. Mon temps vaut des millions, V. Je m'en bats les couilles. Qu'est-ce qui vous travaille? Qu'est-ce que c'est que cette grosse voix? Va te calmer, meuf. Ok, je vais essayer. Songbird, ici V. On commence à s'inquiéter pour toi. Song, tu me reçois? Toujours pas de réponse, hein? Ah! C'est juste toi et moi, on dirait. Ah bah, je croyais qu'il était... Je suis si content de te revoir, Johnny. Non, c'est pas vrai. Calme tes ardeurs, gamine. On sait jamais, tu risques d'avoir besoin de moi. Alors ? Elle a répondu ? Rien. Aucune réponse. Bordel. Ah, je pensais que c'était... Et c'est passé quoi, là-bas ? Avec Somi ? Bon. Normalement, elle est censée être plus intelligente que V masculin. Y a un truc qui allait clairement pas. On pourrait supposer qu'un démon l'a attaqué, qu'elle a peut-être déclenché un protocole de défense dans la glace du Chimera. On pourrait. Ce serait possible si Songbird était une runner lambda. Ce qui est pas le cas. Je suis bien d'accord avec toi. Mais bon, qui sait? C'était un vrai bordel tout ça. Vous savez, on peut toujours se brûler pendant un netrun. Non. C'est impossible. Somi a eu quelques passages à vide récemment. Des baisses de régime. Mais je suis certaine qu'elle se dirige au même endroit que nous. L'adresse qu'elle nous a donnée. Allons-y, c'est la meilleure solution. La meilleure solution, c'est ça, ouais. Cette nana va avoir une sacrée gueule de bois, si elle se réveille un jour. Je pensais qu'il l'avait dégagée parce que l'autre, il coûtait trop cher. Parce que... Comment il s'appelle, l'autre, là, l'autre acteur, là? Ah, j'ai oublié son nom. Je sais... Comment il s'appelle, ce con? Comment il s'appelle, lui? Johnny Silverhand, et l'acteur qui joue Johnny Silverhand, c'est Keanu Reeves. Et l'autre, c'est Ryo Saiba. J'ai oublié son nom. Comment il s'appelle, ce connard? C'est quoi le nom de cet acteur? Je me souviens plus. Idris Elba. Ryo Saiba. Idris Elba.
Je me souvenais plus de son putain de nom à ce cours-là. Ryo Saiba. Ouais. Je savais que ça finissait par un bas. Bon bah il est de retour. Hein. Allez, on va lui parler. On va lui parler. C'est pas le moment de faire de l'humour. Ça me fait pas rire. C'est pas le moment de blaguer, Johnny. Ah, mais je suis sérieux, là. J'ai eu l'impression d'être sous l'eau, très loin de la surface. J'essayais de remonter, mais il y avait ce son étouffant qui m'aspirait vers le fond. Et quand elle a perdu le contrôle du Chimera, toute l'eau s'est transformée en goudron fumant. On dirait bien que c'est parti en couille. Ah, je suis bien d'accord. Enfin bon, c'était peut-être simplement une surcharge. J'ai vu des runners sans manger, c'est pas beau à voir. Bon, on peut y aller. Oh là là, putain, ça me fout la rage. Ah bah, il est parti. Je me suis dit, putain, l'autre acteur, il coûte trop cher, donc ils ont viré Keanu Reeves. Parce que l'autre acteur coûte trop cher, là. Ça fait trop d'acteurs d'un coup, là. Ça coûte trop cher, tout ça. Des acteurs dans un film. Hein, c'est un film cyberpunk, bordel de cul. C'est un jeu cinématographique. Même s'il a une vue de merde qui n'a aucun sens. Il a une vue à la première personne qui n'a aucun sens. On va vers le sud-ouest. On a fait un grand tour pour retourner vers notre point de départ. C'est un jeu cinématographique. Mm-hmm. Sang a parlé d'un bâtiment abandonné où on pourrait faire profil bas. Pas de signature thermique, ça devrait être plutôt sûr. J'espère que vous avez raison, Somme. Cyberpunk, c'est pas du Halo. Hein. Il y a un scénario dans Cyberpunk. Il y a un scénario. C'est pas genre pam pam boum boum, je tue des extraterrestres avec des drôles de voix. C'est pas ça, Cyberpunk. C'est pas juste un FPS de Gogolito, quoi. Non, c'est pas censé être ça. Donc, pourquoi cette vue? Je ne sais pas. Pourquoi cette vue de merde qui sert à rien? J'en sais rien. Cyberpunk, c'est un The Witcher. Cette vue n'a rien à foutre là, quoi. Quand est-ce que les gens vont comprendre, bordel de cul? Quand est-ce que tous ces fils de pute vont comprendre? On peut le pousser, vous croyez? C'est dingue, ça. Bon, de toute façon, c'est du passé. Là, les mecs qui travaillent sur The Witcher Remake, tant mieux, parce qu'il y en a marre de ces conneries. Il me faudrait un coup de main. Ok. Et... Oh yes! Un embranchement? C'était pas prévu, ça. On va de quel côté? Vous avez un avis? C'est pas... comment il s'appelle ce jeu pourri, là? Cette espèce de sombre merde. C'est pas Starfield, hein? Cette espèce de sombre merde, là. Starfield, là. Starfall, là. Starfall, là, de mes couilles, là. Ce jeu de gogoli, ce jeu de merde, là. Non. Lui, il a une vue à la troisième personne. Essayons par là. Non, attends. Ça a l'air prometteur. Non, j'en sais rien, moi. Je sais pas, moi. C'est ce jeu qui est troisième personne, mais ça sert à rien. Le personnage parle pas, il s'exprime pas. Ça sert à quoi d'avoir une vue à la troisième personne si le personnage il parle pas? Ils font n'importe quoi, les mecs. La vue à la première personne ne sert à rien, le personnage ne s'exprime pas. Donc la vue à la troisième personne. Notre arrêt. À droite, vous le voyez? Sert strictement c'est là à rien. Qu'on remonte. Putain, enfin. Je vais sentir le moisi pendant une semaine. C'est une coquille vide, le personnage de Starfield. Où est-ce que je vais, là? C'est bon. Un tunnel de maintenance. On pourrait essayer de se glisser par là. En fait, je regarde les deux côtés, là. Je regarde ce côté pour
Vous voyez quelque chose? Non, impossible de passer par là. C'est une perte de temps. Tous ces tunnels sont inachevés. C'est dingue de rajouter du à la troisième personne pour un jeu comme Resident Evil 8. Ça sert à rien. Starfield, ça sert à rien. Pour Cyberpunk, ça aurait servi. Mais ils le font pas. Voilà. Ben où est-ce que... Où est-ce que je vais, moi? Bon. Ok. Y'a rien ici, hein. De fou quand même, merde. Ils rajoutent des jeux à la troisième personne pour des jeux qui en ont pas besoin. Même Halo a une vue à la troisième personne alors qu'il en a pas besoin. C'est bien un jeu qui avait besoin d'une vue à la troisième personne, c'est bien Cyberpunk, bah il en a pas. Ouais, vite fait, hein. Attends, le jeu il a aucun intérêt quoi. Ça fait beaucoup. Bon, ouais, y a Alan Wake 2 qui va arriver. Et Alone in the Dark et Banisher qui a l'air sympa aussi. Est-ce que Dotnode va enfin faire un jeu sympa? Parce qu'il n'y a pas à faire des caméras ici. Hansen est un militaire. Il aime tout contrôler. Et il déteste les failles. Ça veut dire... Ça veut dire que... On peut désactiver, c'est ça? D'accord. Il fait aussi chaud que dans le cul de Satan ici. Faudrait fermer ça. Chercher une vanne. Ok. Comment je fais pour... Ah, c'est bizarre ça. Bah... Attends, y a un objet là, je peux même pas le récupérer. Ici si on peut pas le récupérer. Ah non c'est ça. Bon allez ça me saoule. Tant pis c'est pas grave. Arrêtez le jet de vapeur. Ouais. C'est facultatif. Il y a une valve. Une valve quelque part. Gun, là. Non, ça fait rien. Bah, ça n'a aucun sens. Je veux pas tirer sur la valve. Je saute, je me baisse. Non, je peux pas passer par là. Je comprends rien, par où je passe, bordel de cul là. Ah. Ça. Je récupère. Et.
là c'est bon. Oh putain, oh les enculés. Ok, enfin. Et voilà le travail. Les mecs, ils osent nous faire un The Witcher à la première personne. Ah, les enculés, s'ils font ça, je pète un câble. Ils font un The Witcher à la première personne, quoi. Par où je passe, moi? Bah, je vais passer par là avec V féminine et avec V masculin, je passerai par là-bas. Dégager un passage vers le tunnel de maintenance. Capacité technique. Ok. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Ok, c'était au cas où on n'aurait pas assez de capacité technique ou de force. Bon, pour V masculin, il aura assez de force. Je pense. Oui, pas de bruit. Oh merde, attends, attends, attends. C'est bon? Y a plus rien. C'était quoi? C'était... Bon, bref. On dirait une salle de contrôle. Putain, ce que ça fait zizir. Effacer les enregistrements. Si tu veux. What? J'ai réussi ou pas? Bah y'a rien là. Quoi ça? La vue à la première personne, le fléau du jeu vidéo. Non, je déconne, pas pour tous les jeux vidéo. Il y a des jeux, franchement, il n'y a pas de souci. Hein. Halo, Resident Evil, tout ça, il n'y a pas de problème. Ah, j'ai oublié le nom. Même Dying Light 2, il n'y a pas de souci. Mais alors,
Pas cyberpunk. Pas de cyberpunk. Jamais cyberpunk. Tout sauf cyberpunk. Non, jamais, putain. Pas cyberpunk. Pourquoi? Pourquoi? C'est un cauchemar, quoi. Putain de cauchemar. Et je ne me réveillerai jamais. Putain, mais c'est quoi ces tenues pourries, là? C'est bizarre et tout est mieux. Ça n'a pas de sens. Attaque, dégâts, tout est meilleur. Je comprends pas pourquoi il y a un truc qui cloche là. Il y a tout qui est mieux. Pourquoi ça fait genre c'est moins bien? Ça me perturbe, je vais te garder. Elizabeth Crestreet. Betty l'increvable, c'était le surnom qu'on lui donnait. Elle a été réélue 9 fois, vous imaginez? Elle devait avoir le cul vissé au siège. C'est quand même drôle qu'on ait donné son nom à une rue de Night City. Vous seriez pas un peu jalouse? Jalouse de quoi, franchement? Ah, des animations, ils sont dégueulasses. D'être revenu à l'âge de pierre après Horizon avec les animations super impressionnantes là, l'impression de revivre des jusqu'ici tout va bien, mais plus vite on sortira mieux ce sera. D'être revenu à l'âge de pierre quoi. Je peux pas dire qu'Horizon c'était mauvais, c'est pas possible. Horizon c'était pas mauvais, faut arrêter. C'était un peu ennuyeux mais c'était pas mauvais hein. Faut être un taré pour dire que c'est mauvais, quoi. Faut être un fils de pute pour dire ça, quoi. Un gros fils de pute. Faut dire que c'était mauvais, faut être un enculé de sa race. Après, oui, c'est pas parfait, hein, mais c'était loin d'être mauvais, quoi. Bon, qu'est-ce qui se passe, bordel? Moi, je suis bloqué comme ça. Je peux pas passer, là. Si on allait par ici. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Wow! C'est quoi ce bordel? Je comprends pas. J'y comprends rien. Mais enfin, c'est son problème, c'est pas le mien. Enfin, si, c'est quand même mon problème, quoi. Faut pas déconner, mais il y a un truc là, il y a un objet à récupérer, mais je vois pas où il est. Quoi ça? Pas maintenant! V, ça va? Une seconde! Ça va passer! Vous voyez? Ça va déjà mieux. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes blessé? Ouais, on peut dire ça.
Une vieille blessure. Elle vous a littéralement mis au tapis. J'ai une biopuce expérimentale d'Arasaka dans le cerveau. Elle est en train de me tuer. Somi dit qu'elle a peut-être une solution. Attendez. Vous parlez de la relique ? Ouais, c'est bien ça. La technologie secrète volée à Arasaka ? Et qui plus est, le jour même où Saburo a perdu son combat contre la mortalité. Bingo. C'est donc comme ça qu'elle pouvait vous contacter. Et ça explique tout de suite la nature de votre arrangement. J'apprécie votre honnêteté. On dirait qu'on va devoir se serrer les coudes si on veut survivre. C'est tout ? Ah. Ah bah, je suis bloqué. Autrement avec V masculin si c'est possible. On risque d'avoir d'autres emmerdes. Je ne m'attends qu'à ça ce soir. Il vaut mieux se préparer à toutes les éventualités. Ok, nous y voilà, 8e étage. L'endroit parfait pour une embuscade. Voilà, j'avoue, son animation... J'espère que personne n'aura eu la même idée. J'avoue, son animation est pas mal. Par contre, là, on est en mode infiltration, c'est ça, hein ? Parce que j'en ai marre des combats, là. Moi, je joue à Cyberpunk pour l'infiltration. Est-ce que c'est ici ? Et le chuchotement. Je vous couvre. À trois. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens. Non. Bah. Bon. C'est bugué ou... C'est fait exprès ou... Je sais pas. Ouais, d'accord. C'est fait exprès. J'aime pas la essayer, hein. Par contre j'aime bien... Bref, on s'en fout. Allez, c'est parti. Deux. On n'y voit que dalle. Somi, vous êtes où? J'imagine qu'on est les premières. On dirait bien. On va devoir patienter. Il serait tout de même préférable de ne pas rester dans le noir. Et avec de l'électricité, on pourrait aussi faire fonctionner la radio. Vise-moi ça, V. Une tentative d'art post-moderne. On dirait plutôt un générateur fait maison. Tu crois que je peux le démarrer? En tapant dessus? Ah ah. Je respire enfin. On m'a trop saoulé. On est clairement plus dans un open world. Hein. C'est plus du tout la structure d'un open world. On est vraiment cloisonné de chez cloisonné, ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est un constat. On est vraiment... on n'est plus dans l'open world. C'est très dirigiste, très cloisonné, mais c'est pas un problème. Ben c'est parti. Un vieux moteur de Sorton pas tout neuf. Il reste même un peu de chouchou. Si le carburant est pas dégradé, il pourrait tourner. Mais impossible de le démarrer. Pas sans source d'énergie. Ouais, bien sûr. Mais écoute, puisqu'on fait une petite pause là entre deux volets de plomb, je le sens pas du tout. Et toi? Hein? Quoi? Laisse-moi me concentrer.
Alors ? Alors, avec V masculin, je lui dirais complètement d'accord, il y a un truc qui cloche. Mais avec avec V féminin, je lui dirais... Toi ? Pessimiste ? Oh, je suis étonné. Songbird, une netrunner de génie, te promet la panacée, le remède miracle. Et puis elle disparaît d'un coup, comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec la voix, là ? Myers, une politicard, se prend un poignard dans le dos lancé depuis Washington. Mais par qui et pourquoi ? On n'en sait foutre rien. Oh, et ajoute à ça Kurt Hansen et ses putains de missiles anti-aériens. Premios. J'ai comme un picotement dans l'entrejambe qui me dit que quelqu'un a pas été complètement honnête. Va cacher des trucs. C'est un vrai sac de nœuds. Tu parles de Myers ? Ouais, elle a l'air du genre à baratiner, mais ça me surprend pas. Sérieux ? Tu vas juste acquiescer ? Putain, V, tu déconnes ! Tu l'as dit toi-même, Johnny, c'est une politicarde. Et en plus, c'est la présidente. Tu crois quoi ? Qu'elle va se mettre à balancer tous les pires secrets de Washington juste parce que je lui ai sauvé les miches ? Non, mais dans cette histoire à la con, plus il y a de secrets, moins ça sent bon pour nous. Enfin bon... Commençons déjà par remettre le courant. Voilà. Ça, c'est la version V féminine. Elle est intelligente, mais elle est conne à la fois. V masculin, il sera d'accord avec V... Avec Johnny Silverhand. Dira tout ça, ça sent la merde. Ça sent la merde. Je fais quoi là? Scanner les environs, d'accord. On passe plus notre temps à parler avec des gens qu'à tirer sur des ennemis. Comme un The Witcher. Voilà. Ah non, c'est juste un... Les gens, ils sont là à dire « Non, mais c'est normal qu'il y ait une vue à la troisième personne. » Mais non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Putain, pas pour ce jeu-là. Il y a plein de jeux où je suis d'accord, mais pas pour celui-là. Hein ? Oh. C'est bon ? Attends, je vais lui parler avant. Tout se passe bien ? Oui, je sais encore changer de vêtements, V. Même si je n'ai pas eu à le faire pendant 12 ans. Quoi ? Elle n'a pas eu à changer de vêtements pendant 12 ans pour commencer... quoi ? C'est quoi ce délire ? Quoi, elle n'a pas eu à changer de vêtements pendant 12 ans ? C'est quoi ce délire ? J'ai pas compris. Pendant 12 ans, elle a pas changé de vêtements. Je comprends rien, là. Comment on fait pour pas changer de vêtements pendant 12 ans? À vue d'œil, ça devrait faire l'affaire. Quel gâchis, ce jeu. Mais quel gâchis. Je suis dégoûté. Il aurait été tellement mieux à la troisième personne. Évidemment, avec la mise en scène à la Horizon, évidemment. Ça va de soi. Franchement, Horizon, dès que tu parles à un PNJ, c'est juste magique. Tellement que c'est bien fait. Bon, le problème, c'est ce qu'il dit, c'est chiant. C'est vrai. Quand un PNJ parle, ce qu'il dit, t'as envie de lui dire de fermer sa gueule tellement qu'il est ennuyeux, quoi. Mais la mise en scène, rien que pour la mise en scène, je suis... La mise d'animation des personnages, rien que pour ça, mon gars. D'ailleurs, s'il y aura Horizon 3 qui va sortir, je vais l'acheter rien que pour la mise en scène. Rien que pour la mise en scène, je vais le choper. Même si, bon, le jeu, il m'a fait un peu chier, quand même.
Mais là, Naughty Dog, je sais pas ce qu'ils branle, ces enfoirés là depuis. Là, ils nous font chier avec leur jeu multi de merde là. Tout le monde en a rien à foutre de leur jeu de merde, à part les tarés là. Faut vraiment être un malade pour s'intéresser à un jeu multi quand c'est Naughty Dog qui travaille sur le jeu. Merde. Sœur Partouze. Oh, l'ambiance est sympa là. On est avec la présidente. Tu sens que le jeu, il est. Voilà quoi. C'est un jeu narratif, c'est un jeu cinématographique. C'est pas moi qui ai inventé, c'est les développeurs. De toute façon, ils ont pris des acteurs de cinéma pour jouer dans leur jeu. Keanu Reeves, c'était pas un concepteur de jeux vidéo, c'était pas un mec de la fête foraine, c'était un mec du cinéma avec Matrix et toutes tes conneries. Pareil, Idris Elba. C'est pas pour dire deux secondes après, ah oui, mais Cyberpunk, c'est pas vraiment du cinéma. Enfin, on prend les gens pour des cons, là. Ah, mais à un moment donné, faut arrêter d'être con. Ils ont pris des acteurs de cinéma pour faire un jeu qui est pas vraiment du cinéma. Putain, mais fermez vos gueules, les gens, fermez vos gueules. Ça peut pas être tout le temps du cinéma. Ben non, pas tout le temps. Est-ce que j'ai dit que tous les jeux devaient être du cinéma? Mais là, mon gars, quand tu prends deux acteurs de cinéma, quand tu fais des cinématiques qui ressemblent à des films. Et que tu te retrouves avec ça, là, avec une première personne de merde, alors que t'as des cinématiques qui ressemblent à des films, mettre des trailers, et avec des cinématiques qui ressemblent à des films avec quand Idris Elba se fait buter. Je suis désolé, c'est ce qu'on a envie de voir. On n'a pas envie de voir une vue à la première personne de merde, on a envie de voir de la mise en scène, bordel de cul. Moi, quand je vois Assassin's Creed Mirage, moi, je vois Assassin's Creed Origin. Graphiquement, c'est la même chose. Bon, c'est identique. Et la filtration, elle a toujours existé. Hein. Il y a toujours eu des jeux dans. Et franchement, Assassin's Creed Sandy Origin, les mecs, ils sont dangereux. Hein. Ils font très très mal, les ennemis. Hein. Ils font très très mal, ces fils de pute. Hein. Ils se mettent à plusieurs sur nous, ils nous défoncent. Hein. Et voilà. Oh, ok. Pas des coups. Allez, démarre-le. Ah, j'étais persuadé qu'il l'avait dégagé du DLC. Mais non, il est toujours là. Ils l'ont pas dégagé du DLC. Bah c'est bien, c'est bien. Moi je l'aime bien ce personnage. Bon, tu vas te bouger le cul. Moi j'aime bien ce personnage. Johnny mes couilles sur la commode. Ça va, hein. Pour une fois, Keanu Reeves joue un personnage qui a un peu de charisme. Allez, mine-toi. Ça va pas exploser, putain. Non, parce que dans les autres films, franchement, Keanu Reeves, il a aucun charisme. Il est tout pourri. Il est de tension. Là, au moins, il a un peu de charisme dans ce jeu-là. Pour une fois, c'est rare.
Les films sont bien, mais lui... Enfin non. Par contre, je déteste... Comment il s'appelle ce film ? Bon, tu vas te bouger le cul. Comment il s'appelle ce film ? John Wick, c'est de la merde ce truc. Oh là là. Mais mec, il est de tension dans John Wick, il est tout fatigué, vas-y, laisse tomber. Il est ridicule dans John Wick. Hein. Matrix, ça allait, parce que l'histoire du film était bien. En tout cas, du bon, premier film. Bon, tu vas te bouger le cul. Le premier film, l'histoire était bien. Même si au début, j'aimais pas, et puis je me suis rendu compte que l'histoire était cool. Le deuxième film, c'était juste de l'action. Et j'aime l'action, hein. J'aime quand il y a de l'action. Et le troisième film, c'est de la merde. Voilà. Et le quatrième, c'est juste de la nostalgie, c'est de la branlette bon, nostalgique. Bon, tu vas te bouger le cul. C'est de la branlette nostalgique, et comment on appelle ça, c'est du fanservice, c'est de la branlette nostalgique, c'est dégueulasse. Et puis là aussi, Ken Reeves, il est deux de tension. C'est de la merde, franchement, c'est du vomi. Matrix 4, oh là là, quelle honte. Bon, tu vas te bouger le cul. Quelle honte, ce truc. Mais quelle honte. Apparemment, ils ont joué dans le film juste pour la thune. Hein. Oh putain, parce que c'est une honte, ce film. Croisons les doigts. C'est parti. Fantastique couille. Regardez ce que j'ai trouvé. Ça vous tente? Il y en a d'autres au frigo. Servez-vous. Vous l'avez mérité. Non mais regarde-moi ça, mon gars. Ça, pour toi, c'est un jeu. Qu'est-ce qui se passe? Ça, pour toi, c'est un jeu. C'est un FPS. Ça. Putain, bon, abruti. C'est pas un FPS. Vous avez vraiment l'air d'une clodo. Vous buvez avec moi ? Une bière maintenant ? Qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Vous avez vraiment l'air d'une clodo ou pas mal le nouveau logo ? Je veux dire que vous avez vraiment l'air d'une clodo. Vous ressemblez à une vraie clodo. Eh bien, comme on dit, à Rome. Prenez-vous à boire. Une bière ? Vous croyez que c'est le moment ? Voyons voir. Aujourd'hui, j'ai survécu à un crash, à une chasse à l'homme et à un prototype de robot tueur. Alors oui, c'est le putain de moment. Ah, j'hésite. Il est trop tôt pour faire la fête ou je vote pour vous. Qu'est-ce que je pourrais dire à V masculin ? Il est trop tôt pour faire la fête ou je vote pour vous. On est coincé à Dogtown et Somi donne aucun signe de vie. Je suis pas prête à faire la fête. C'est vous qui voyez. Moi, en tout cas, je ne vais pas gâcher ça. Un cadeau de Songbird pour nous souhaiter la bienvenue. Ça, ce serait merveilleux. Revenons maintenant à Night City, où les rumeurs vont bon train ce soir au sujet de l'avion qui a été abattu. Des représentants des NUSA affirment que la présidente Rosalind Myers se trouvait à bord au moment de la catastrophe. Toujours aucune déclaration de la part des autorités de la ville, mais un autre personnage bien connu a choisi de s'exprimer. Kurt Hansen, le dirigeant autoproclamé de Dogtown, a convoqué une conférence de presse plus tôt dans la journée pour exposer sa vision des faits. Mais ne voyez-vous pas qu'on cherche à me piéger? Les NUSA veulent ma peau depuis des années. J'ai des défauts, bien sûr, mais je suis tout sauf suicidaire. Alors assassiner la présidente des NUSA, très peu pour moi. Ce qui s'est produit à Dogtown n'est pas à prendre à la légère. Je vous encourage tous à réfléchir aux véritables motivations derrière ce spectacle. Les NUSA saisiront la première occasion pour déployer leurs armées à Dogtown. Pensez-vous qu'ils s'en contenteront ? Non. Vous, habitants de Night City, vous serez les suivants. Merde. Croyez-moi. Bon, tant pis. Une nouvelle guerre. Ce foutu troll est malin. Peut-être même un peu trop malin. Ouais, il est futé. S'adresser aux médias, parler de guerre imminente, et tout foutre sur le dos des NUSA. Vous avez vraiment le don pour réconforter les gens. En tout cas, si une force mystérieuse cherche à déclencher une guerre, attenter à ma vie offre un beau casus belli. Raison de plus pour rester tranquille. On a pas mal de mystères à résoudre. Songbird, Washington, Hansen. En effet. Nous avons de quoi faire. Vous entendez ? Des bruits de pas.
Songbird ? Possible. Difficile d'en être sûr. C'est notre jour de chance, Jumba. Un penthouse avec vue sur la ville. Et des lumières qui marchent. Ah, c'est pas normal, ça. Tout paraît toujours louche. T'es qu'un putain de rabat-joie. Tu voulais une vue sur les largages de Hansen ? Bah, tu l'as. V, nous devons les éliminer. Allez, mec, on va jeter un petit coup d'œil. Oh, j'hallucine. Attendez, essayons d'abord de leur parler. J'espère que vous savez ce que vous faites. Vos armes ! Vite ! Putain de merde ! Je ne le répéterai pas ! Wow, 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 coolos ! On cherche juste un coin pour spioter cette nuit. Celui-là est déjà occupé. Je te l'avais dit. Alors, si je comprends bien, ici, c'est la suite présidentielle ? Oh, merde. Il paraît qu'il y a une prime pour la tête de Rosalind Myers. Alors, comment on va gérer ça ? Ah. Alors, voyons un peu ça. Ils font chier avec leurs trucs comme ça, là, ça me pète les couilles. Vous sortirez pas d'ici en vie. Ouais, d'accord. On va trouver une solution, évidemment. C'est ce que dira V masculine. Il va les buter les deux, évidemment. Alors que V féminine, elle va discuter. Je veux vraiment faire en sorte que V féminin et V masculin soient vraiment deux personnes différentes. Parce que les femmes et les hommes, c'est pas pareil. Putain, culé. Il y en a qui aimeraient que ça soit pareil, mais c'est parce que c'est des PD. C'est des PD. Hein ? C'est des PD qui aiment se faire sodomiser. Putain. Me casse les couilles. Allez, les gars, on va trouver une solution. On veut pas de problème. Pas si j'en crois ce crasheur pointé sur moi. Ce crasheur se taira tant que vous en ferez autant. Ça, c'est une bonne idée. Mais notre silence, il n'est pas gratuit, ok ? Hey, du calme, vieux. Pas maintenant, Tay. Je négocie, là. Tu te souviens pas comment ça s'est fini ? Ta négo avec Hansen ? Ta gueule, putain ! Alors, comment ça se passe ? Déjà, il y a Nomad. J'ai bien envie de tenter de faire Nomad, mais si c'est pour qu'on s'entretue, ça sert à rien. Tant que vous en ferez autant. Ça, c'est une... Négo avec Hansen ? Ta gueule, putain ! Voilà. On est dans un espèce de... Ah, ça me saoule, ces trucs-là. C'est quoi cette histoire avec Hansen, Nomad ? Je te propose de coopérer, qu'est-ce que t'en dis ? Vous restez en vie, les morts ne parlent pas. Encore une fois, comme je le dis, avec V masculin, ça fait longtemps qu'ils seront morts, les deux mecs. Avec V féminin, on va blablater un petit peu. Bon bah, c'est quoi cette histoire avec machin ? C'est parti. T'as négocié avec Hansen ? À propos de quoi ? Rien ! Juste un petit malentendu. Ils lui ont tranché la jambe. Ferme ta... Oh ! On avait un genre de conflit d'intérêts. Le colonel Ducon apprécie pas les entrepreneurs motivés comme moi. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce que vous avez de mieux à offrir ? T'as oublié où on est, Chum ? Pour info ici, c'est Dogtown. Et dans un coin pareil, vaut mieux apprendre à coopérer. Sinon, en cas de merde, vous serez que deux. Vous préférez mourir à Dogtown ? Ou vous la coulez douce de l'autre côté de la frontière ? À vous de voir. Jacob. Mm-hmm. Et vous avez quoi en tête exactement ? Il y a assez d'espace pour quatre. Chacun devrait facilement pouvoir rester dans son coin. Et si nous avons des invités indésirables, nous comptons sur vous pour être de notre côté. Et si nous avons des invités indésirables, nous comptons sur vous pour être de notre côté. C'est un accord en or.
Il y a vraiment besoin de réfléchir. Ah, ça me fout les boules. Va falloir que je speed, putain. C'est votre chance, et il n'y en aura pas d'autre. Fais chier. Ça pourrait aussi être ta dernière. Marché conclu, madame la présidente. Et... je veux une Refield. Ah, c'est pas vrai. Oh, très bien. Un modèle en particulier? Non, mon cul rentrera dans n'importe laquelle. Dites-moi où vous voulez qu'on la gare. N'importe quoi. Ok, je le ferai. À condition que votre garde du corps nous tranche pas la gorge cette nuit. Alors, V, vous comptez trancher la gorge de ces deux messieurs? Évidemment que je compte leur trancher la gorge. Mais avec V masculin. Pas féminin. C'est votre champ. Conclu, madame. Jamais avec V féminin. À condition... votre garde du corps nous tranche pas la gorge cette nuit. Alors, V, vous comptez trancher... Ça dépendra entièrement de vous. Je vous rassure. Ça dépendra entièrement de vous. Je vous rassure. Heureusement qu'ils n'ont pas fait des fils de pute comme Black Sad. Hein. Black Sad, c'est vraiment des enculés, quoi. Les mecs qui ont fait Black Sad, c'est vraiment des chiens de la casse, quoi. Ils nous laissent aucun répit, ces fils de pute. Vraiment des chiens de la casse. Résultat, je peux même pas jouer au jeu tranquillement. Je déteste quand il y a un truc qui chronomètre, ça me saoule. Là, j'ai trouvé cette technique, mais je déteste ça, quoi. Laissez-moi le temps de répondre, quoi. Pourquoi ils font ça, quoi? Ils font chier, laisse-moi le temps de répondre. Je vois pas l'intérêt de faire ça. T'as rien à craindre, Shum. Tant que tu sais te tenir. Ok, mais... promis, maman. Bon, bah, ça roule alors. Marché conclu. Cool, allez, on s'en fout. D'habitude, j'aime m'en jeter quelques-uns avec mes nouveaux tchoums. Mais il y a des largages le matin, tu vois. Du coup, Tay et moi, on doit se lever tôt. Nous aussi. Venez, V. La journée a été très longue. Tiens, on va parler... Observe le maître et apprends, Tay. Observe et apprends. On va finir par se faire buter à cause de tes conneries. Peut-être. Mais au moins, tu clamseras avec le sourire aux lèvres et les couilles encore en place. Pourquoi les couilles encore en place? Non mais regarde-moi ça. Est-ce que ça... On aurait dû être un jeu à la troisième personne, bordel. Regarde tous ces dialogues, là. À la The Witcher. On cherche quelqu'un. Une américano-asiatique, la trentaine. T'aurais pas vu quelqu'un comme ça? Ça me dit rien. Mais putain, vous pouvez pas lui donner rendez-vous dans un bar, comme tout le monde? Bon, c'est un peu bizarre ce qu'il raconte. Parce que c'est V féminine. Mais avec V masculin, ouais. Il aurait sorti ce genre de truc, effectivement. Ouais. Ouais, j'avais des... D'accord, ok. Tu montes la garde cette nuit? Disons que c'est mon rôle dans notre accord. Et puis, c'est une vieille habitude des Badlands. Ah, c'est un nomade. Les Badlands, c'était chez moi avant. T'es de quelle famille? Plus aucune désormais. J'ai laissé cette villa derrière moi. Hein, pourquoi? J'ai vendu les miens au Raffen. 14 familles sont mortes dans une embuscade à Tipton Peak. Ça te suffit? Ta propre famille? T'arrives encore à te regarder dans une glace? Quelle glace? C'est tout ce que j'ai. C'est fini?
On va lui parler à l'autre là. Yo V, envie de taper la discute avec moi? Vas-y, raconte-moi. Bosser pour la présidente, c'est comment? Les fédéraux, ils doivent bien payer, non? Il y a du nouveau toutes les heures. C'est un contrat ponctuel. Ok, ok. Chaque heure est un nouveau défi. C'est pas mes oignons. Je peux pas en dire plus. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Quand tu traînes avec les bonnes personnes, je parie que toutes les cuisses te sont ouvertes. Voyage d'affaires, hôtel de luxe, poupée à la demande, viande organique, happy hour en orbite, le kiff! Comme une putain de rockstar. Comme une putain de rockstar. En tout cas, vous avez bien choisi votre endroit pour passer la nuit. C'est sûr, isolé, et il y a même le courant. C'est quoi cette histoire de largage? Il y a une chose qui m'échappe. Le bâtiment est sûr, non? Alors pourquoi il est complètement désert? Eh ben, c'est parce qu'il est hanté. Mais t'en fais pas, ma belle. Tu crains rien avec moi. Jacob. C'est vrai. Il y a plein de gens qui sont morts mystérieusement ici. Ils semblaient tous avoir fait une sorte de rupture d'anévrisme. Un jour, on a retrouvé 12 runners. Ils avaient tous la cervelle grillée. Hansen a fermé l'endroit. Il en a interdit l'accès. Et la parole du colonel, elle a plus de poids que des tourelles. Les gens savent qu'il faut pas approcher. Pourquoi on est encore là, alors? Parce qu'on les emmerde! Voilà pourquoi! Lui et les légendes urbaines! Eh ouais, mec! On les emmerde! Vous parliez de largage tout à l'heure. Il s'agit de quoi? Ben, le colonel Hansen gère un gros marché. Mais il est enclavé, tu vois? Il doit trouver un moyen de faire entrer la marchandise. Des cracheurs, des munitions, des médocs et tout le reste. Tout ça, ça tombe du ciel direct dans les bras de Kurt. Mais si tu sais où et quand chercher, ça peut tomber dans tes bras à la place, tu me suis? Premier arrivé, premier servi. Vous volez Kurt. Non, juste des petites choses. J'appelle ça l'économie de la survie. Bah, la meuf, elle doit sniquer la voix à force de faire la grosse voix de balle, là. Elle doit se baiser la voix. Emmerdé. Bon, allez. Oh, quel gâchis, mais quel gâchis, putain. Ça aurait été tellement stylé à la troisième personne, putain. Pète les couilles. Enfin. Mes jambes me font un mal de chien. Allez, soufflez un peu. Toujours pas de nouvelles de Soumi? Silence radio. Il n'a jamais disparu aussi longtemps. C'est pour le moins troublant. Vous en pensez quoi de nos colocataires? Pas très brillant. Mais ils peuvent nous servir. Et deux armes de plus peuvent toujours être utiles. Mais genre, vous allez vraiment les payer? Pourquoi pas? Après tout, ils prennent un risque considérable. Eh, on fera quoi si Songbird vient pas? Patientons. On ne peut pas faire plus pour l'instant. Et si elle ne vient pas, dans ce cas... Eh bien, il nous faudra envisager notre autre solution. Mais laissons ça de côté jusqu'au matin. On ferait mieux de se reposer. Tout ça est si... irréel. Comment ça? Je devrais être chez moi à l'heure actuelle. À lire le compte rendu du soir, un verre d'eau et deux cachets de somnifères posés sur la table de nuit. On dirait pas que ça vous manque beaucoup. Oh, à demain matin, V. Non mais regarde, cette scène aurait dû être à la troisième personne. La discussion entre la présidente et elle. Tout ça, ça aurait dû être à la troisième personne. Salut. Elle est sur le balcon. Prends un peu de café, hein. Je viens de le faire. Bien dormi cette nuit? Ça a été? Comme toujours, sous un toit. C'est oppressant. Jacob, lui...
il fait de beaux rêves. Ah, t'es déjà monté dans une refill, chérie? Ma villa avec des amis VIP, la grande société. Ah, il a pas arrêté jusqu'à l'aube. Il a de l'ambition, on dirait. Ouais, et une cloison nasale de traviole. Hein? Il est où, Jacob? Vient d'y avoir un largage pas loin. Il est allé jeter un œil. Ok. C'est une anomalie. C'est un putain de The Witcher, ce jeu. C'est un putain de The Witcher. Peut-être que c'était trop compliqué pour CD Projekt. C'est plus facile pour eux de faire... C'est qu'une question de facilité. C'est pas pour dire, ouais, c'était la meilleure chose à faire. Non, non, c'est qu'une question de facilité. Forcément, quand tu discutes et tu dois faire de la mise en scène, c'est beaucoup plus compliqué que quand t'as pas besoin de faire de mise en scène, forcément. C'est bien moins prise de tête, hein. Quand t'as juste une caméra et puis c'est tout, forcément c'est plus simple. Hein. Quand tu dois changer la caméra, tu dis je dois mettre la caméra à ce moment-là, je dois te faire passer la caméra à ce moment-là, c'est peut-être plus prise de tête que... Mais putain, je dis ça, ça me rend fou parce que je suis en train de penser que dans Halo, les cinématiques sont à la putain de troisième personne. Les cinématiques sont à la troisième personne. Bon, ouais, on voit pas le mec, hein. Mais je suis en train de me rendre compte que les cinématiques dans Halo sont à la troisième personne, alors que ça sert à rien. Le personnage, on le voit même pas, il est derrière un casque. Donc que ce soit la première personne ou pas, ça sert à rien. Mais on a de la mise en scène dans Halo pendant les cinématiques. On n'a même pas de mise en scène dans Cyberpunk. C'est un truc de fou. Putain! Je me rends compte que dans Halo, il y a des cinématiques à la troisième personne. C'est un jeu à la première personne, mais quand t'as une cinématique, ça passe à la troisième personne. Ce qui est même pas le cas en Cyberpunk. Avec la caméra qui flotte un peu partout, ça fait un effet de plan séquence et tout. Et là, c'est même pas le cas. Putain! J'avais même pas fait gaffe. Ah, ça me rend fou, quoi. Ben là, on a juste ça, voilà. Juste le regard de V. Pendant que le mec te parle, tu peux regarder en haut, en bas. Tu peux regarder tes pieds. Enfin, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On ne voit jamais V. Oui. Elle n'est pas là. Ça veut dire qu'elle ne viendra pas. Vous avez vu le monde que Hansen a lancé à nos trousses? Ils l'ont peut-être chopé. Possible. C'est ce qui m'inquiète le plus. Je dois la retrouver. On n'abandonne jamais ces soldats en territoire ennemi. Les soldats croient encore à ces conneries. Quoi qu'il se soit passé, on doit l'aider. Écoutez, je sais que la nuit a été calme, mais vous devez quitter Dogtown. Comment ? En priant, caché dans le coffre d'une voiture, Hansen n'attend qu'une tentative désespérée de ce genre. Laissez-moi réfléchir. Il doit y avoir une solution. Je connais pas mal de fixeurs. Je parie que l'un d'eux... Hors de question. Ils me vendront au plus offrant. Faut qu'on parle du plan B. Le plan, c'est un homme. Le genre qu'il nous faut. Il s'appelle Solomon Reed. Il y a 7 ans, il dirigeait notre opération de renseignement à Night City. Il faisait équipe avec Somi. À la fin du conflit, il est passé en sommeil. Il traîne quelque part dans le coin, donc. Reed est un homme de principe, pas le genre qu'on peut acheter ou influencer. Alors si on peut avoir confiance en quelqu'un, c'est bien lui. Ouais, mais dans le cinématique, il s'est fait trahir par la petite asiatique, là. Sandek, un agent dormant? Dites-moi plus. Sauf si c'est, genre, un secret d'État. C'en est un. Et des mieux gardés.
Mettons que vous vouliez sécuriser vos intérêts dans un pays étranger. Si la diplomatie échoue, vous devez recourir à d'autres moyens. Comme un coup d'état militaire ? C'est une possibilité. Solomon Reed en est une autre, plus sûre. C'est bizarre qu'elle parle de lui comme s'il s'était jamais fait buter. Il s'est quand même fait buter, le mec, dans la cinématique, je comprends pas. Vous tenez un bel atout avec ce Reed. Vous auriez déjà pu le jouer. Activer un agent dormant n'est pas si simple. Il vous faudra un sifflet pour chien. Hein, quoi ? C'était une image. Ça reste entre nous. Je parlais d'un signal que Reed sera le seul à entendre. Ah ! Il y avait un canal de communication secret, accessible seulement depuis un capitaine Caliente, près d'ici. La FIA s'en servait avant la guerre. Le code d'accès était 0931. J'ai un mauvais pressentiment, V. Vous parlez d'une ligne analogique fixe ? Le crash a ouvert une faille spatio-temporelle quand ou quoi ? Quand on doit envoyer des infos sensibles, on utilise la technologie la moins vulnérable aux interceptions, peu importe son âge. Ce Caliente devrait encore avoir la ligne. Le proprio aime les antiquités ? Il appréciait l'argent fédéral. Et il est peut-être toujours en vie. N'oubliez pas, 0931. Ok, ça m'a l'air faisable. Et je préfère la discrétion à la destruction. J'espère que c'est clair. Ah oui, oui. Et après, il se passera quoi ? Reed vérifiera qui vous êtes. Vous lui montrerez ça. Ça veut dire que vous bossez pour nous. Qu'est-ce que t'as ? On vous créera un dossier dans la base de données de la FIA. Une minute. Je suis un agent spécial maintenant ? C'est ça. Vous voulez prêter serment pour rendre ça plus concret ? Une ligne secrète, une pièce présidentielle. Ce sera quoi après ? Un message codé dans l'infodoc du jour ? Cette pièce est pour votre sécurité. Si Reed n'est pas sûr à 100% que c'est moi qui vous envoie, il n'hésitera pas à vous tuer. On est dans le même camp, ça peut pas faire de mal. Oh, V. Alors, répétez après moi. Moi, V, je jure solennellement. Moi, V, je jure solennellement de servir loyalement les nouveaux États-Unis d'Amérique. Putain, t'es pitoyable. De servir loyalement les nouveaux États-Unis d'Amérique. Je jure de défendre les valeurs définies dans la Constitution de la Nation et de représenter son gouvernement avec dignité et diligence. Je jure de défendre les valeurs définies dans la Constitution de la Nation et de représenter son gouvernement avec dignité et diligence. Je m'engage à défendre mon pays contre tous ses ennemis, intérieurs comme extérieurs. Et si cette cause venait à me coûter la vie, alors ainsi soit-il. Je m'engage à défendre mon pays contre tous ses ennemis, intérieurs comme extérieurs. Et si cette cause venait à me coûter la vie, alors ainsi soit-il. Au nom de tous les citoyens des NUSA, je vous remercie, V. Bonne chance à vous. Et ne laissez pas ces enfoirés avoir votre peau. Elle est partie où, l'autre ? Bon, de toute façon, faudra le faire même avec mes V masculins. Même s'il sera pas d'accord, il va le faire quand même. Ça m'étonnerait que tu fasses un truc en mode, bon, finalement... J'irai pas voir Idris Elba, hein. Le mec, on l'a foutu là, c'est pas pour dire après, bah non, j'irai pas le voir finalement. Peu importe qui choisit, il le fera de toute façon. Ça, y a même pas photo, quoi. Les mecs, ils ont pas engagé Idris Elba pour qu'on puisse pas, qu'on le voie pas dans le jeu, quoi. Non, finalement, j'irai pas le voir, ce mec-là, parce que, non, j'y crois, je le sens pas. Je suis pas dans le délire, là, je suis pas dans le délire du tout. Non, ça marche pas comme ça. Même s'il dit ouais, non... Il finira pas dire oui. On verra quand je jouerai avec V masculin. Oh putain, c'est horrible. Mais c'est un bon... Enfin, moi, je considère que c'est un bon FPS. C'est juste que c'est lassant, quoi. C'est ennuyeux, quoi. Pom pom boum boum, c'est ennuyeux, quoi. C'est emmerdant, on se fait chier. Finalement, je sais pas si je vais vraiment les tuer, les mecs, finalement.
parce que... Tu sais, prêter serment, c'était pas une bonne idée. Ah ouais? Certaines causes méritent qu'on y laisse sa peau. Mais pas celle-là. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le fait que même après la mission, t'auras son bras tellement profond dans ton cul que tu seras qu'une marionnette. Tu sais que j'ai été soldat pour une corpo, hein? Toujours content de foutre mon uniforme. Ça les faisait bander, ces serments à la con. Répéter après moi, blablabla, putain de bla. Mais j'ai aucun souvenir de ce que je m'étais engagé à faire. Tu veux vraiment parler de ça? Oh, laisse tomber. J'avais juste envie de t'emmerder. Oh, c'est long là. C'est quoi? J'en ai marre de ce... Far Cry 5, on n'a pas vu... Bon, j'aime pas quand un personnage ne parle pas, mais bon, j'ai envie de te dire, vu qu'il parle pas, autant pas le voir. Hein. Alors, t'as fini de dormir? Tu vois cette fumée colorée? Ouais, boum! C'est un largage de cargaison de Hansen, aucun doute. Je te la laisse. J'ai autre chose à foutre que de grimper jusque là-bas. Tu veux pas grimper? Ou bien tu me caches un truc? Tu me vois faire du parcours avec une seule jambe? Merci du tuyau. J'irai peut-être jeter un œil. Fais-toi plaisir. Du parcours? On peut faire du parcours? Comme dans Dying Light? Hein? Non, ça m'étonne rien. On est cloisonné dans ce... Ouais, on est cloisonné, quoi. À Darktown. Bien, je n'aurais qu'un conseil à te donner. Sois prudente. Hans? Attendez, vous avez des liens dans ce quartier? C'est le cœur vibrant et palpitant des affaires de Pacifica, après tout. C'est là qu'on conclut les vrais marchés. Alors, on va enfin se rencontrer en personne? Je ne peux pas te répondre par oui ou par non. Par contre, j'ai un nouveau travail pour toi. J'espère que tu vas l'accepter. Une dernière chose. J'ignore comment tu t'es introduite à Darktown, mais ce n'est sûrement pas par la grande porte. Dans tous les cas, aucune importance. J'ai fait autoriser ton accès pour te faciliter la vie. Ton nom et ton portrait sont enregistrés dans le système, alors tu pourras franchir la frontière du quartier sans problème. À très bientôt.
Ah, si on peut passer. Livraison de nuit, on dirait. Je me demande ce que c'est. Des médocs? Des flingues? Des implants? Des implants, c'est sûr. Ils viennent de Wapel. Tu tiens ça d'où? Combien pour produire? Hein? J'importe des enfants. Tu penses comme ou la merde de la dernière fois? Bon, laisse tomber, la carte ne sert à rien. On n'est pas dans... On est dans un open world. On est dans l'open world, là. C'est quoi, ça? Le véhicule? Pas de moto quelque part là? J'ai réussi à me brancher sur le réseau électrique. Ah bah, attends. Ah. Enfin, ça fait bien, ça fait du bien. Vu la troisième personne. Hey, Jum. Jumito. J'ai un super boulot pour toi. Nos amis des Balkans risquent de souffrir d'ici à la journée. Alors je ne peux plus voir personne dans les rues après 18h. Fermez les volets et pas de caméra. V, les informations d'Okada-san, elles m'ont été très utiles. J'ai aussi appris des choses de mon côté. Il faut qu'on se voie. Ce sera où cette fois? Une usine de recyclage? Une station N-Cart déserte? Il y a un marché dans la partie sud de Japantown, sur une passerelle au-dessus de la rue principale. Prends les ascenseurs pour éviter de te perdre. Je suis déjà en chemin. Bien, ne me fais pas attendre.
quoi. Ok, Alvaro. Ah, j'ai été mauvaise langue. On est enfin dans l'open world, mais... Alors, je veux bien, on est dans l'open world, mais est-ce qu'il y a quelque chose à y foutre Gentil d'être dans l'open world, mais... Aller au restaurant de je sais pas quoi... Mission secondaire. Il y a une mission secondaire, là. Quoi ça? Ah, on s'en fout. C'est quoi ça? Contrat. Ouais, je m'en bats les couilles des contrats. Ça m'intéresse pas. C'est des trucs qui mènent à rien, j'en ai rien à branler. Par contre, il y a une mission secondaire là. Je sais pas ce que c'est. Et ça, c'est... Elle est où la quête principale? C'est quoi ça? Parler à Rogue? Oh là, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Elle a la quête principale de. Je parle de la. Du DLC, je parle. Hein. Parce que là. Ok, c'est bon. Ça doit être ça, peut-être. Ou je sais pas. Je vais vérifier. Là, ça va mieux. Hein. On dirait une ville post-apocalyptique, mais ça va mieux. J'aime quand ça se passe deux jours. Quoi? Est-ce que tu crois qu'il me fait peur? Je crois surtout que tu devrais te chier dessus, là. Là, tu m'aides pas. Hé, hey, toi! Y'a là une seconde!
C'est à moi que tu parles? C'est toi que je regarde, non? Allez, on a un problème et de la vodka. Prends-toi un shot. Hansen veut déjà me pendre par les cojones. On est plus à ça près. Je m'appelle Paco. Et elle, c'est Babs. V. Ok, V. Viens boire un autre problème. On va lui porter un toast et espérer qu'il disparaisse. Ah, je reconnais cette voix-là. C'est la voix je l'ai entendue dans Horizon Forbidden West. Alors, un verre ? Le poison sans façon. Mais tu parlais d'un problème qui t'emmerde ? Babs dit que j'ai chié dans la colle. Mais moi, je dis qu'il n'y a aucune merde dont on peut pas se sortir. T'es pas d'accord ? À tous les résidents, ici Kurt Hansen. Des agents ennemis ont infiltré dans la vie en général, tu veux dire ? Des espions et des agitateurs des NUSA. Ouais. Voilà, dans la vie. C'est pas toujours nage ou crève. Parfois, faut savoir surfer sur la vague. Je sais pas, Choum. C'est qu'on est plutôt à contre-courant, là. Bon, allez, je peux commencer ? Oh, et puis merde. Allez, vas-y, raconte. Juste une chose, Paco. Je t'en supplie. Évite de gueuler. Les murs ont des oreilles, compris ? Ouh, attends ! On va faire ça bien. En immersion totale, ok ? Avec une bouffée de deep dive, mon histoire, t'auras l'impression de l'avoir vécu. C'était une journée tendue, celle où j'entre dans la cour des grands, tu vois. Mais pour la vivre, prends une bonne bouffée et écoute-moi bien. J'ai vécu une histoire de ce genre. Ça a commencé pareil. Et quelques heures plus tard, mon meilleur ami était mort. Oh merde, ça craint. La mienne, j'en sors vivant, hein, promis. Un stimulant chelou, je suis pas d'humeur. Ton histoire a vraiment besoin de ça? Allez, ça va pas te tuer. C'est le blabla de Paco qui risque de t'achever si t'en prends pas. Ah, je suis obligé d'en prendre pour écouter son histoire. Ah, bon bah vas-y. Bon ok, envoie la cam. Fais chier. C'est débile. J'ai un mauvais pressentiment, V. Ok, je suis prête à écouter. Bon, imagine le tableau. C'est mon premier jour dans l'armée de Hansen. J'attends le patron, tu vois. Et forcément, j'ai les jambes en coton. Votre attention, ici Kurt Hansen. Merde, non ! Imagine que t'es Hansen lui-même. Et t'es carrément furax. Voilà, t'es Kurt Hansen et t'es super furax. Vous voulez me parler ? Je l'ai entendu, Otoki. Alors ? Oh, non mais c'est quoi ces miroirs qui servent à rien ? Trop cool. Non, je déconne, c'est de la merde. C'est quoi le problème, Kurt ? Le deal avec les Désos. Jure-moi que ça se passera bien. Sans aucun foutu incident. Regarde-moi dans les yeux. Kurt, ça fait combien de temps qu'on se connaît tous les deux, hein ? Ils essaieront de nous baiser. On devrait y être préparés, c'est clair ? Évidemment que c'est clair. C'est un job de débutant. C'est quoi le problème, Kurt ? L'incompétence. J'en ai ma claque. T'auras que des petits boulots tant que t'auras pas refait tes preuves.
Après ça, silence complet. Parce que Yuri et Kurt, ils ont fait l'armée ensemble, tu sais. Militech les a lâchés ici il y a des années. Alors, le petit Torres, il est prêt à se faire péter la gueule? Donc je reste là, j'attends, perdu. Je me chie même un peu dessus. Babs me chuchote des encouragements, mais... Je me dis que s'il a pas buté Yuri, c'est moi qui va buter, c'est sûr. Je vois. Ouais. Oublie pas de ramasser tes dents quand il en aura fini avec toi, le chiot. Vas-y, Kurt, défonce-le. Cette petite chienne demande que ça. Attends, je réfléchis. Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, boss? Rends les coups, petite salope! Défends-toi, Pomard, lève les poings! Comment tu t'appelles, gamin? Paco Torres! Allez, Paco! La tête haute! Prends ton poids de survivre, ok? Oh là là, lui mettre un coup comme ça, paf! Ah, je peux dire que ça fait un truc! Tu t'appelles Rocket, mais on va faire de toi un molosse. Oui, oui, chef. Sans deck, Paco, arrête d'inventer des trucs. C'est mon histoire. Du sang, du sang. Éclate-lui la gueule. J'ai même réussi à lui mettre un ou deux coups. Pourquoi j'aurais besoin de toi? Je suis rapide et... malin. Fais-moi voir. Je peux te dire qu'il savait où cogner. Ah, je sens encore les bleus. C'est bon. Ce chiot fera l'affaire. Psst. Je le cognerai bien un peu plus pour la forme. Ça viendra, ça viendra. Bienvenue dans la meute, gamin. N'importe quoi, il a jamais dit ça. Tu t'occuperas du prochain convoi. On va voir ce que t'as dans le ventre. À ce moment, je me suis senti... renaître. Tu vois ce que je veux dire? Je pissais le sang, mais j'ai poussé des hurlements de bonheur, Tchoum. Ça va? Tu suis là? À tous les résidents, ici Kurt Hansen. Des agents ennemis ont infiltré Dogtown. Je comprends bien. Tu te fais casser la gueule. C'est le plus beau jour de ta vie. Se faire défoncer, ça fait juste partie du chemin vers le sommet. Une raclée, c'est une raclée. Pas la peine de jouer les philosophes. Et quand ils te colleront une balle dans le pif, là aussi, ça fera juste partie du chemin. Por Dios, lâche-moi un peu, toi. T'es juste jalouse parce que Hansen, en personne, m'a confié une mission. Donc, c'était un petit boulot, tu vois, comme garder un largage ou un transport. Moi... je protégeais notre convoi. Je sens que la conclusion arrive. Et je sens que ça va merder quelque part. Il va sûrement finir cloué à un poteau, si tu veux mon avis. Son convoi, c'était pour les Désos. Alors c'est complètement parti en couille. Babs adore se plaindre. Mais Locaz, elle était vraiment trop belle. Je pouvais pas la laisser passer. File-moi encore une bouffée de dive. Du coup, on est là, on roule. Le boss en personne est à côté de moi. D'un coup, j'entends les pneus qui crissent. Et là, je me dis... Mierda! Esto se sale de madre! Ces fils de pute. Tu piges, Mano! Il avait tout prévu! C'est pour ça qu'il est venu avec moi! Hey,
C'était génial! Il visait comme un dieu et il avait soif de sang! Ces rats ont bloqué la route! Accroche-toi, Lucio. C'est l'heure de rappeler à ces connards qui fait la loi. C'était génial! Il visait comme un dieu et il avait soif de sang! Le boss s'est fait toucher. Alors je me dis... Putain, merde! C'est comme ça qu'on va crever! Fue perfecto, maravilloso. Cayeron uno detrás del otro. On les a tous massacrés. L'air avait l'odeur métallique du sang et... C'était un carnage. Oh, c'était très nul. Oh, le gunfight de merde. En v'là un qui grogne. Il respire encore. Je suis sûr qu'il aura des choses à nous dire. Saloperie de putain de rat. Au moins, le gamin a montré les crocs. On est à Paco. Mais je m'en suis bien sorti. J'ai eu le droit à un compliment. Toujours en vie. Bien joué. Tu seras bientôt un vrai soldat. Tout ce que t'as à faire, c'est rester avec nous et te rendre indispensable. Oh, por capitana. Bien. Ramène la marchandise au Sapphire. Fais attention, gamin, ok? Yuri et moi, on doit poser quelques questions à notre ami le Désos. À tous les résidents, ici Kurt Hansen. Décroche pas encore, V. Ce que tu vas entendre, c'est ce que Spomar a fait ensuite. Ok, écoute-moi. Avant le départ, Yori m'avait filé une liste. Dessus, il n'y avait pas de générateur. Mais quand je jette un œil dans le camion, je vois quoi? Des générateurs! Ouais. Yori avait dû en piquer en douce pour essayer de les revendre contre quelques édits après l'attaque des Désos. Et cet abruti s'est dit que s'il les piquait pour les revendre lui-même, il serait refait pour l'année. Il le teste pour voir s'il est réglo, et lui, il les vole. Babs, y'a que les idiots qui laissent filer leur chance. Merde, à quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée? Et c'est pas fini, V. Tu vois, ce petit pommard les a vendus à un type en Inde. Ils doivent déjà être en route. Ils vont le buter, pas vrai? Merde, et ils me buteront avec! Allez, tu peux nous aider, meuf? Je vois que tu y réfléchis.
J'ai peut-être une idée, ouais. Le deep dive était trop fort, V? Ok, on fait tomber Yuri. Il a déjà perdu la confiance de Kurt. Si on fait ça bien, le problème se réglera de lui-même. D'accord. Mais on va éviter d'en parler ici. Il y a une ruelle souterraine pas loin. Ça fera l'affaire. Demain soir. D'accord? Ok, parfait. Je t'envoie mon contact. Juste au cas où, on va dire. Putain, c'était chiant. À tous les résidents, ici Kurt Hansen. Des agents ennemis ont infiltré Dogtown. Cela signifie que des espions et des agitateurs des NUSA se cachent parmi vous. Ouvrez l'œil. Signalez tout ce qui vous paraît suspect. Merde. Par où je suis censé passer, moi? Bah, je comprends rien, là. Je comprends rien à cette putain de carte, là. Ok, c'est bon. Comme si on n'avait rien de mieux à foutre que de perdre du temps à régler les problèmes d'apprentis gangsters. Bah, j'avoue. Ferme-la, je veux aller au bout de cette histoire. Tourner nos propres chiots contre nous? Tu t'es vraiment dit que ce serait malin? Je t'emmerde. Je vais t'apprendre à pas faire chier, Yuri.
Oh là là. Bouffez ça! T'as une dernière volonté? Espèce de sale! Ça fait mal, hein? T'as pas perdu de temps. Fais-lui un peu les poches. Il y aura peut-être un indice pour trouver les gamins. Ce con a tout découvert. Paco doit déjà se balancer quelque part en guise d'avertissement. Chier. Quelle bande d'enculés! Tu parles d'un foirage. Mais le Tchoum est peut-être encore en vie. Il nous reste encore une chance. J'aurais pas dû faire ça. J'ai déconné. Ou alors j'aurais dû le faire avec V masculin. Bon, tant pis, j'ai la flemme. Donc c'est pas très palpitant tout ça. Oh, c'est quoi encore ce bordel? Bon, y a plus qu'à chercher. Enfoiré de charcutoc. T'es allé à la clinique d'Anderson. C'est courageux. Ouais. Aïe. Ou on te remplace le foie gratuitement? T'aurais dû débourser des édits, Tchoum. T'es de rein marchand. C'est forcément Paco. Merde. Alors la fille est en vie. Si Hansen avait douté d'elle, elle se balancerait là-haut, elle aussi. Peut-être bien.
Ouais, j'ai pris une mauvaise décision. J'ai trop la flemme de recommencer. J'aurais pas dû faire ça. En tout cas, pas avec V féminin. Bref, on s'en fout. C'est fait, c'est fait. De toute façon, je comprenais rien à leur histoire. Achetez local! Achetez chez Ronald, Ronil Roubla! Trouvez l'entrée du restaurant. Nique les corpos! Achetez local! Achetez chez Ronald, Ronil Roubla! Bon, bref. Capitaine Caliente. Eh ben, on peut dire que le gars a coulé avec son navire. Cet endroit sert d'entrepôt, on dirait. Bon, voyons ce qu'on a. Ici, vous trouverez des éclats fraîchement volés. Les meilleurs prix de Doctown. Marchandises certifiées. C'est quoi ça?
Waouh, c'est une antiquité ce truc. Je sais même pas s'il marche. Ouais, ça fait ça. J'ai pas. D'accord. J'ai une mémoire de merde. Ok. Prends-moi un double cheese pendant que tu y es. Les expressions faciales sont pas mal de temps en temps. Y'a quelqu'un? Allô? Ce vieux machin est sûrement mort. Où t'as merdé avec le numéro? Bon putain, on fait quoi là maintenant? Une amie. Andrew Jackson Street, le terrain de basket. En journée, n'oublie pas. Il est pas très bavard, notre homme mystère. Il aime peut-être pas le téléphone. Moi non plus. En fait, si, il est bavard, c'est juste qu'il fait le mec qui est pas bavard. Mais ouais, je suis pas bavard. Je parle pas beaucoup parce que je suis trop stylé, t'as vu. Et donc, je parle pas beaucoup. Alors qu'en fait, tu ne la santé, c'est important. Matez les stimulants premiums de Ronald. Alors qu'en fait, tu es une vraie pipelette, en fait. Enfin, tu m'as coupé dans mon élan, enculé.
De quoi t'as besoin, mon ange? Ah. Ça roule les affaires? Les édits coulent à flot? Nachum. Tout le monde est taré avec ce crash d'avion. La moitié de Dogtown traque Rosalind Myers comme des chiens en chaleur. Il délire complet. Mais demain est un autre jour. Et tout le monde sait très bien que Ronald a tout ce qu'il faut. T'as l'air d'un Chum qui connaît bien Dogtown. Qui connaît bien Dogtown? Ah meuf, c'est chez moi ici, tu me prends pour qui? T'es en train de causer au typhon de Pacifica, Chum. Le prodige de Dogtown. Bah ok, c'est pas mon préféré celui-là, mais... Quand on blindait de booster, je pouvais courir le 100 mètres en 6 secondes. Ouais ouais, t'as bien entendu. Maintenant, c'est à peine si je fais 100 mètres en un jour. Mais bref, ouais ouais ouais, je connais ce quartier comme ma poche. Hein? Ronnie le typhon? Sérieusement? T'as qu'à mater les vues infodoc si tu me crois pas! Le vieux Ronnie est une légende! Enfin, j'allais le devenir, quoi! Hein? Et pourquoi l'étoile montante est redescendue? Eh ben, il y avait cette nana, Fiona. Elle tenait un centre pour jeunes talentueux, là. Les futurs superstars du sport. Sympa, hein, non? Un toit sur la tête, de la vraie bouffe, des entraînements, des boosters, du chrome, une tonne de chrome, Choum. C'est un putain de paradis tant que tu montrais du potentiel. Mais moi, j'en avais plus, quoi. Alors c'était retour dans les rues de Dogtown avec migraine et insomnie de ouf. Et encore moi, je m'en tire pas mal, hein. Qu'est-ce que tu sais sur les quartiers de Dogtown? Lesquels, ma beauté? Le Golden Pacific occupe la partie nord de Dogtown. On y trouve une colline, Luxor 8. L'endroit est à la hauteur de son nom. La vue est premios, je lui donne 10 sur 10. Du côté ouest, c'est Longshore Stacks. Cet endroit a une histoire, tu vois. Au sud, c'est Terra Cognita. Et tu ferais mieux de ne pas en approcher. Ok, tu peux me dire quoi sur Longshore Stacks? Tout ce qu'il y a là-bas date d'avant cette putain de guerre d'unification, tu me suis? Si tu vois des conteneurs, c'est que t'es au bon endroit. Dans ces conteneurs, il y avait tous les matériaux pour construire le quartier. Tout a été volé, bien sûr. Mais du coup, les caisses géantes, eh ben, elles sont restées. Et nous, à Dogtown, on a de la ressource. Des tchoums plutôt malins les ont récupérés, et résultat, bam! Des unités d'habitation premios, et empilées façon immeuble, rien que ça. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. Luxor 8, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce quartier? Tu ferais mieux de pas fouiner là-bas. Les Voodoo Boys, ils font leurs trucs chelous depuis qu'ils s'y sont installés. Ils couchent parfois avec les Dezos, parfois avec Hansen. Alors avant d'aller y faire un tour, c'est mieux de savoir avec qui ils ont baisé en dernier. Sinon, tu risques les emmerdes. Le Golden Pacific, plutôt grandiose comme nom, non? Si tu savais, Choum! Les costards avaient promis une vraie pluie d'édits. Tout le monde devait chier des lingots. Mais ça marchait que pour Hansen. Il y a vraiment que lui qui se fait du pognon dans ce quartier. En gros, le Golden Pacific, c'est la tanière du Bar Guest. Affaires, logistique, divertissement, ils y centralisent tout. Alors ça peut être chaud comme endroit si t'es pas des leurs. C'est la première fois que je traîne dans le coin. T'as des conseils pour moi? Je t'en ai donné un. Essaye de garder ton cul loin de Terra Cognita. Cet endroit, c'était un paradis pour les scientifiques il y a quelques années. Vols spatiaux, chrome du futur et plein d'autres tech. Des trucs à te cramer le cerveau. Maintenant, c'est plus qu'un tas de poussière et de merde remplie de désos. Ces salras contrôlent tout l'endroit. Si tu t'approches de Terra Cognita, tu gagnes incognito. Tu piges incognito. Puisqu'on tape déjà à discute... Ouais, tu veux savoir quoi?
Il y a quelques coins assez uniques par ici. Ah, au final, il pue pas tant des pieds, ce quartier, hein? J'ai été au stade. Impressionnant comme truc. Ah, j'avais pour grand projet de m'installer là-bas. Mais putain, la concurrence m'a très vite botté le cul. Les Nighthawks y jouaient leur match quand Hansen chiait encore dans ses couches. Comment on dit déjà? À belle époque, mauvais tchoum, et à mauvais tchoum, société en dérive? Bref, tout ça pour dire que c'est qu'une question d'Eddie. Et qui c'est qui palpe le plus? Hansen. Enfin, il s'occupe pas que du stade, mais j'en dirai pas plus. Je suis passé par une sorte de salle d'expo. Il y a des sacrées maquettes là-bas, pour différents bâtiments. Oh, oh, t'as des couilles d'y être allé! T'as aimé la visite? Les costards devaient être en plein alu quand ils ont dessiné les plans du quartier! Et boum, retour à la réalité. Ces pommards ont dû avoir un sale réveil, la gueule contre le bitume en se demandant où ils avaient merdé. Mais la salle d'expo, c'est pas un endroit pour les civils. Il y a des trucs d'avant-guerre là-bas. Vaut mieux plus s'en approcher. Surtout qu'on a entendu des tirs et des explosions, alors non merci. Il y a même une pyramide, c'est difficile de la rater. Premium, ça ? En tout cas, les fixeurs kiffent l'endroit. Avec les gens qui font la teuf et la musique qui défonce, ils peuvent parler affaire peinard, discrétion garantie. Le rez-de-chaussée, c'est pour la populace. Mais les étages, c'est réservé aux VIP, les gros bonnets, les pontes, tu vois le genre. Tiens, j'irai peut-être y faire un tour. Du gros son, des grosses lignes de schnouf, et les contrats s'enchaînent, tchoum. C'est comme ça qu'on entre dans la cour des grands. Et les gonzesses, t'en parles pas des gonzesses? Ils parlent jamais de gonzesses, hein, c'est un truc de fou. Les belles gonzesses, les belles chattes, les avec leurs gros culs, et leurs belles cuisses de salope, et leurs nichons, leurs tétons pointus, hein, leurs tétons gonflés. Faut parler des gonzesses. T'es pas là pour acheter, tu peux te tirer, toi. Y a pas que la thune dans la vie, aussi les gonzesses. L'énorme gratte-ciel, tu peux m'en parler? Les costards l'appelaient le Black Sapphire à l'époque. Maintenant, on l'appelle l'hôtel ou la tour. Apparemment, c'est un truc de malade. Mais inaccessible pour nous, simple mortel. Pour Hansen, c'est la prunelle de ses yeux, sa poule aux œufs d'or. S'il veut être choum avec toi, il t'invite là-bas. Apparemment, la vue depuis là-haut, elle est putain de nova. Enfin bon, moi, je suis peut-être taré, mais pas au point d'aller vérifier par moi-même. Y'a un mec, il m'a... Comment on appelle ça? Il m'a signalé ce fils de pute, là. Sur Jedi... Jedi Survivor. J'étais juste en train de parler d'une gonzesse qui avait changé de voix. Qui avait une voix d'homme, maintenant. Hey, t'as le droit de regarder! Mais tu vas finir par acheter un truc ou quoi? Et c'était vraiment dégueulasse, et elle l'a fait exprès d'avoir une voix de mec. Juste parce qu'elle en avait marre de se faire draguer par des mecs. C'est vrai que ça refroidit. Hein. Et un connard, il m'a signalé ce fils de pute. Forcément, c'était forcé qu'elle a fait ça. Juste heureusement que toutes les gonzesses s'amusent pas à faire ça, putain. Heureusement, t'imagines toutes les gonzesses qui ont marre d'être draguées, elles vont changer leur voix pour avoir une voix de mec. Oh là là, le cauchemar. Le cauchemar, putain. Puisqu'on tape déjà la discute. Ouais, tu veux savoir quoi? Déjà que dans les jeux vidéo, les meufs, elles font la grosse voix. Merci de ton aide. T'as vraiment l'air de bien connaître le coin. Encore heureux! Dans mon métier, les ragots, c'est la base. Et plus ils sont gros, mieux c'est. Je pourrais t'en envoyer des bien juteux si ça t'intéresse. C'est quoi? Allez, je veux bien. C'est bien de savoir ce qui se dit dans la rue. Ouais, tu commences à me connaître. À Dogtown, il faut savoir utiliser tout ce qu'on peut trouver. On se tient au jus, tchoum. J'ai quelques questions à propos de Dogtown. Ok, vas-y, balance. Tiens, tant qu'on y est, je voulais te demander...
Vas-y, Tchoum. Cette journée est encore plus molle que ma couille droite. Montre-moi ce que t'as. Du matos prégnos! Tu vas être sur le cul! Encore ce putain de bug. Une claque s'il n'y a pas de mise en scène. T'es dans la merde. Au secours. Aide-moi. Désolé, la claque c'est avec Horizon et leur mise en scène. Là c'est pas une claque. Ah, il veut pas. Bon, il veut pas. Je suis quasi sûr que ton Chou m'a dit en journée. Le seul truc qu'on va trouver à cette heure-ci, c'est une balle perdue UV. Bah, on va patienter. La nuit, c'est tout pourri. Aux premières loges. Un match qu'on n'est pas prêt d'oublier. Johnny Sylvain, fan de basket ? C'est nouveau, ça. Tu sais de quoi je veux parler. C'est un tout autre match qui commence. Et le putain de ballon, c'est ta tête. Ça faisait un moment qu'il voulait une fenêtre supplémentaire. Ça veut dire quoi ? Tu te frottes à des joueurs vétérans. Mais toi, tu fais encore partie des rookies. C'est des putains de sociopathes. Ils font croire qu'ils sont de ton côté pour mieux te la mettre à l'envers. Alors va sur le terrain. Mais te fais pas avoir. T'es sûr que t'en fais pas un peu trop ? Si tu le dis. C'est pas moi qui pars en guerre. En guerre ? Eh, t'analyses trop, là. C'est peut-être pas une guerre comme tu l'imagines. Mais c'est quand même une guerre. La FIA, les NUSA, Arasaka, c'est la même merde. Y'a que l'emballage qui change. J'espère que t'as faim, soldat, parce que tu vas en bouffer des paquets. Et c'est un déserteur qui te le dit. Quoi ? Tu me crois pas ? Je dois faire confiance à un déserteur. C'est pas un peu contradictoire ? Si tu veux vraiment te barrer de l'armée, il faut commencer par être honnête et admettre que t'as fait une erreur. Et franchement, ça, ça demande des putains de couilles. La désertion comme acte de bravoure. Classique de Johnny Silverhand. J'avoue, t'as pas tort. Mais il y a un truc que j'ai appris. Recouvert de boue et de sang. Ah.
Vas-y, je t'écoute. Il y a toujours un bâton pour accompagner la carotte. Je vais t'expliquer. Tous les troufions récupèrent un fusil, un gilet pare-balles et une chier de promesses. Mais quand t'es à court de munitions et que ton Kevlar est criblé de balles, il reste quoi de ces foutues promesses ? Que dalle, j'imagine. Exactement. Et c'est là qu'ils sortent ce bâton qu'ils appellent des valeurs. T'es là, dans ta tranchée, en train de te faire bombarder la gueule au phosphore avec tes tchoums, et t'as un officier qui te casse les couilles avec la loyauté et le devoir. Quand t'arrêtes de chier des carottes et qu'ils agitent leur bâton plein de valeurs, alors c'est qu'il est temps d'étaler. Et vite. J'ai l'impression que t'as pas réglé tous tes problèmes. Faut parfois affronter ces démons, Johnny. J'avais pas vraiment de problème avec eux. Jusqu'à maintenant. Des politiciens, des runners de l'armée, des agents du renseignement. Et le colonel Hansen pour le dessert. Dogtown, un putain de panier qui récupère tous les œufs pourris. Ne te retourne pas, les yeux vers le terrain. Ah. Tes mains, montre-les. Alors c'est qui ? J'ai l'impression que t'as pas... Des runners... Oui. Te retourne... Les yeux vers le terrain. Ah. Tes mains, montre-les. Le voir, je sais pas à qui je parle. Johnny, qui c'est qui me souffle dans la nuque ? Comment je pourrais savoir, bordel ? Je vois que ce que tu vois. Je vois un truc dans tes mains. Montre. J'aime bien savoir à qui je parle. La vieille ligne, Jum. Tu sais qui je suis. Allez, montre-moi tes mains. On m'a donné cette pièce. Ça te parle ? Ouais. Mais je préfère être sûr. Pas du genre à dévoiler son jeu, celui-là. Qui t'envoie ? Une amie en commun. On n'a pas d'amis en commun. Cette amie a survécu à un accident. Ça te parle peut-être ? Peut-être. Belle défense de zone. Continue comme ça. Elle est en sécurité. La dernière fois que je l'ai vue, elle l'était. J'espère que c'est toujours le cas. Je vois. Je vois. T'as été suivi ? T'as pris la peine de vérifier au moins. Belle défense. J'espère que c'est toujours le... Je vois. Je vois. T'as été suivi ? T'as pris la peine de vérifier au moins. Je sais pas, j'ai pas pensé à vérifier. Bon, au moins un point pour ta candeur. C'est bien, gamine. Sorton Mary McNoir, dans la rue. 3 minutes, siège passager.
On ferait mieux de partir séparément, histoire de pas se faire remarquer. Vas-y d'abord. Tu veux pas qu'on vous voie main dans la main ? Reed ? Il est vicieux, ce connard. Je crois qu'on est parti sur de bonnes bases. Clairement. Je suis sûr qu'il a des bonbons dans la boîte à gants. On va voir. Hé, vous auriez vu le type à qui j'étais en train de causer, là ? Le grand baraqué ? Avec son manteau, on aurait dit un exhibitionniste. Hé, hey, oh ! Fermez-la ou dégagez ! Ils ont changé sa tête. Mec, avec les bonnes jambes, tu peux dunker à 3 points sans problème. Putain, il est vraiment temps de changer les règles. La sorte noire. Ça a l'air vachement discret comme ça. À tourner autour d'une caisse comme ça. T'es pas suspect du tout. Avant mec. D'y aller. Désolé pour toutes les précautions. Mais je préfère pas prendre de risques. Parfois, c'est plus facile de foutre le canon d'un Malorian dans les côtes d'un Tchoum, même s'il est de ton côté. Rien de personnel. J'espère que tu m'en voudras pas. Putain, ça change de la cinématique. Ça a baissé d'un cran. Hein. Alors je dis pas que c'est. Tu pourrais atterrir, V. Je dis pas que c'est moche, mais la cinématique, elle était bien plus impressionnante. Hein. Et dire qu'on a toujours pas atteint ce niveau-là dans les jeux vidéo, c'est chaud. Même si attention, Horizon, c'est l'un des plus beaux jeux qui est sorti jusqu'à présent et il met une sacrée claque. Hein. Mais bon. On n'a pas la journée. La cinématique est assez impressionnante. Chelou comme présentation, mais ravi de te rencontrer aussi, Reed. C'est pas une phrase qu'on me dit souvent dans ce métier. Hé, hey, V, t'as vraiment pas l'air d'être du métier. Oh, hey, tu pourrais atterrir, V. Je me suis jamais présenté ? Ça veut dire quoi, ça ? Je me suis pas encore présenté. En effet. Tu l'as pas fait. Tu m'as scanné ? Tu trouveras rien dans les bases de données du NCPD. Mm-hmm. Et il y a que le NCPD qui suit les personnes d'intérêt et collecte des infos. J'ai vérifié les données de la FIA pour trouver des infos sur toi. T'as un profil intéressant. Nomade, du clan Backer, aujourd'hui disparu. Maintenant, Merc Freelance. Et le plus intéressant dans tout ça, agent de la FIA, engagé pas plus tard qu'hier soir. Mais un truc m'échappe. Pourquoi t'es venu te foutre dans cette merde ? Songbird m'a recruté. Tu la connais ? Somi. Y a un souci ? On bossait ensemble à une époque. Pensais plus jamais entendre parler d'elle, mais... Elle a un don pour s'attirer des ennuis. Bon... Il est grand temps d'aller voir notre demoiselle en détresse. L'adresse, s'il te plaît. Juste pour info, je sais pas si ça va te plaire. Je t'écoute. Le bâtiment abandonné sur Crest Street, 8e étage. T'as raison, ça me plaît pas. Tu l'as laissée toute seule, à Dogtown ? Thank you.
Je sais pas. Tu l'as laissée toute seule à Dogtown ? Myers peut prendre soin d'elle. C'est pas une demoiselle en détresse. Je l'ai vue en action. Ouais, moi aussi. C'est pas son premier rodéo. Elle a survécu à quelques tentatives d'assassinat, c'est une dure à cuire. Mais quand même... C'est la présidente. Nathan, je dois répondre. C'est mon jour de repos, pourquoi vous m'appelez ? Aux dernières nouvelles, c'est vous le manager. Écoutez, demandez à Bob, il me doit une faveur. Ouais, ben c'est con alors, parce qu'il va falloir faire sans moi. C'était mon boss. Je travaillais dans un club, tu vois, comme videur. Vécu avec quelques tentatives. C'était mon boss. Je travaillais dans un club, tu vois, comme videur. Ah, alors c'est ça ta couverture ? Videur ? Ça paye les factures et ça me permet de vivre. Le gouvernement refuse de rémunérer les agents dormants, même en sous-main. Eh ben... J'avais pas prévu ça pour mon jour de repos. Sauver la présidente. C'est digne de ce qu'on voit dans les déesses d'action, hein ? Ouais, peut-être. Myers fume toujours ? Elle s'en est grillée une sur le balcon ce matin. Pourquoi ? Elle a tendance à fumer quand elle perd le contrôle de la situation. Il est grand temps d'aller l'aider. Ah, passé, j'avais pas vu. J'allais faire une grosse connerie. On y va. Alors c'est ici. 8e étage ? Ouais. Passe devant. Franchement, ça m'inspire pas vraiment confiance. Relax, elle est pas seule. On s'est fait des nouveaux tchoums, des locaux. Les présentations étaient un peu rudes, mais elle a usé de son charme. Elle a sûrement trouvé son équipe de campagne pour Dogtown à l'heure qu'il est. C'est de pire en pire, cette histoire. Quelqu'un avait essayé de l'emmener de force, tout l'étage serait déglingué. Elle se rendrait pas sans se défendre.
passe devant. Hein ? Il est où ? Ah d'accord. Ouvrez ! C'est moi ! Ouais, ouais, j'arrive. Pas un geste. Putain, mais... Encore ? Elle est où ? Messieurs, ça suffit ! Rangez vos engins. Vous pourrez en mesurer la taille quand je serai parti. C'est vous la chef ? Vous êtes sûr ? Affirmatif. Regardez autour de vous. Vous avez pas oublié mon numéro. Il y a des numéros qu'on n'oublie jamais. Soyez franche, Rosalind. Vous n'aviez pas l'intention d'utiliser cette ligne. Certes, mais je me suis retrouvé à Night City avec ma tête mise à prix. Alors je me suis dit que c'était le bon moment pour reprendre contact avec un vieil ami. Je vous proposerais bien d'en parler autour d'un café, mais on n'a pas le temps, là. Je dois m'arranger pour vous exfiltrer vers Washington. Non, Reed. Il faut d'abord qu'on parle. Tous les trois. Venez, allons parler en privé. La présidente, une mère qui est un agent spécial entrent dans le bureau ovale. Mais du coup, c'est quoi mon rôle dans cette blague ? Vous avez vu les infos ? Hansen parvient toujours à nous faire rire. Ah, il est parti. Il n'a clairement pas fait ça tout seul. Il a le soutien de quelqu'un dans notre propre camp. Ça allait plutôt vite, là. Il s'en est grillé une. Cal entre dans. Hansen parvient toujours à nous faire rire. Il n'a clairement pas fait ça tout seul. Il a le soutien de quelqu'un dans notre propre camp. Est-ce que t'as une idée de l'identité de l'associé de Hansen ? Rosaline a plus d'ennemis qu'il y a droit à Doctorn. Et ce n'est pas tout, Reed. Je n'étais pas seule à bord de ce vol. On m'a dit que Songbird s'y trouvait aussi. Elle est où maintenant ? V est la dernière personne à lui avoir parlé. Le scénario le plus probable, c'est qu'elle s'est fait piéger par la glace du robot de combat quand elle l'a piraté. Un petit souci de Netrun, ça arrive même au meilleur. Mais aucun moyen d'en être sûr. Malheureusement, il nous faut des preuves tangibles, pas des suppositions. Reed, je n'ai pas besoin de vous rappeler que la sécurité nationale des NUSA est en jeu. Et puis... Merde. C'était votre protégé. Vous lui avez tout appris. Et d'ailleurs, c'est vous qui l'aviez recruté. Elle partage avec V un lien unique. C'est une piste, et la seule que nous ayons pour le moment. Vous devez la retrouver. Ensemble. Je suis déjà mort une fois pour la nation. C'était pas suffisant. Attends, comment ça, t'es déjà mort ? Qu'est-ce que Myers t'a raconté sur moi ? Que tu dirigeais une cellule du renseignement ici et que t'es entré en hibernation à la fin de la guerre. Donc elle a omis le fait qu'Arasaka a essayé de me descendre. Que j'ai fini en soins intensifs après m'être mangé 3 balles. Et qu'il m'a fallu 6 mois avant que je puisse enfin chier tout seul. Ça lui a peut-être échappé. C'est pratique, mais maintenant tu sais. Attends, il a réussi à survivre à ça ? Non, parce qu'il s'est bien fait défoncer dans la cinématique. Hein. Comment il a fait survivre ? Le mec, il a survécu. Le mec, il a chié tout seul. Excuse-moi, t'es passé de chier tout seul à le mec qui se tient droit dans ses bottes. Le mec, si t'arrives pas à chier tout seul, comment tu peux tenir droit ? Bon, après, tu me dis, il a mis des trucs cybernétiques quand même, mais quand même. Enfin, c'est... À croire que le mec, il est mortel, quoi. C'est pas possible. Non, parce qu'il s'est pris une belle bastos, il s'est pris un coin de siège sur la gueule. Il s'est bien fait défoncer. Tu survis pas à ça. Hein. C'est lui qui a foutu la merde avec Sandberg, puisque c'est elle qui l'a trahi.
Enfin, dans la cinématique, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on a l'impression. Chaque seconde passée ici à se faire la gueule diminue nos chances de retrouver Somi en vie. Je te connais à peine, mais t'as pas l'air d'être le genre de Tchoum qui laisserait son agent crever sur le terrain. Elle pourra pas s'en sortir sans aide. C'est vrai, tu me connais à peine, mais tu m'as bien cerné. Et t'as raison. Je suis là et je vais vous aider. Mais je le fais pour Somi. Et pour mon pays. Même si ça paraît naïf de le dire. Quant à toi, V. Tu disais dans la voiture que Songbird t'avait engagé, c'est ça? Je sais pas combien elle te paye, mais tu ferais bien de te demander si ça en vaut la peine. T'as raison, je me casse. On n'a pas la journée. Il y a des trucs plus importants que les Eddie, Reed. Là-dessus, on est d'accord. On a tous nos raisons. Et la mienne, elle porte un nom. La relique. Si je retrouve pas Somi, je suis morte. On dirait qu'on est tous sur la même longueur d'onde V. Ce qui veut dire qu'on peut aussi s'entraider. Ohé. Ouais, je suis du même avis, Reed. Si on veut trouver Somi, on va devoir creuser profond. Je parle d'une vraie reconnaissance. On ne néglige aucun détail. Il nous faut des contacts, des informateurs qui n'ont pas peur de parler s'ils ont quelque chose à y gagner. Tu vas devoir gagner leur confiance. T'en demandes beaucoup pour Doctern. Ça sera pas facile. Je dois m'arranger pour exfiltrer Rosalind vers Washington. Je t'appellerai bientôt, V. Merci. Merci pour tout. Soyez prudente. Et laissez pas ces enfoirés vous avoir. Vous aussi, V. J'espère que nous nous recroiserons dans des circonstances plus favorables. Ok, j'ai quelques coups de fil à passer. C'est moi. Il me faut un taxi pour deux. Un long trajet. Non, pas de papier. Pas cette fois. Ouais, Dogtown, sur les quais, à l'endroit habituel. Merci. C'est bon. On ferait mieux d'y aller. Mais pas en même temps. V, tu partiras 5 minutes après nous. Bonne chance, V. Donc ça va pas être de tout repos. Pas mon permis de faire ça, c'était quoi l'intérêt? Bon allez. Moi, je veux m'arrêter là parce que ça me dégoûte. Je préférais carrément la mise en scène de Halo. Avec la caméra qui tourne autour des personnages en plan séquence. Là, ça me casse les couilles. C'est vraiment, il y a zéro mise en scène, en fait. Tu vois juste ce que voit V, en fait. C'est de la merde. Ça me dégoûte. Pourtant, ça aurait été stylé avec une belle mise en scène et tout. On aurait eu une maison avec la caméra qui tourne et tout. Enfin, les mecs... Une mise en scène, bordel de gueule. Ils veulent faire un truc cinématographique, il n'y a même pas de mise en scène. Tu te contentes juste de voir ce que vous avez. C'est de la merde, quoi. C'est dingue, quoi. Merde. Il y a de la mise en scène dans Halo. Il n'y en a même pas dans Cyberpunk. Là, on aurait pu avoir une cinématique.
ça aurait été beaucoup plus stylé. Là, on n'a rien. Bon, après, attention, c'est pas pire que Starfield. Là où Starfield, c'est vraiment le bas du bas, le niveau zéro de... Enfin, c'est à gerber, Starfield. Même pas je touche à ce truc, même pas avec un bâton. Quoi. J'ai testé, j'ai fait, c'est bon, j'ai eu ma dose, quoi, ça va. Plus jamais je retouche à cette merde. Mais là, franchement, c'est un gâchis monumental, quoi. On aurait pu avoir une mise en scène de dingue, la caméra qui virevolte autour, en plan séquence, mon gars, ça aurait été magnifique, quoi. Au lieu de ça, on a juste V qui regarde des trucs. On peut regarder en haut, on peut regarder en bas, parce que du coup, tout le temps... C'est même pas une mise en scène à la Dying Light 2. Dying Light 2, tu bouges pas la caméra quand t'as une cinématique. Ça fait une putain de mise en scène. Bah là non, ça fait rien. Ou alors la caméra qui sort dès que t'as une cinématique, la caméra qui est plus à la première personne, qui est à la troisième personne, et qui s'éloigne de V, et là tu vois la caméra qui se met à te déplacer comme dans Halo. Ça aurait été tellement génial d'avoir ce genre de truc. Quel gâchis, mais quel gâchis ce jeu. Là, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a rien là. Il n'y a rien du tout. On aura une petite ambiance, une petite musique, un truc stylé avec l'apparition de l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, Idriss Elba. Là, il n'y a rien du tout. C'est juste de nul à chier, quoi. Enfin, c'est vraiment de la merde. Ou comment gâcher leur jeu, quoi. Comment gâcher leur jeu, quoi. Et puis, hyper sympa, ils l'ont gâché avec juste parce qu'ils avaient la flemme de faire de la mise en scène ou de faire de l'animation ou faire un personnage s'animer. C'est que c'était trop long, trop dur pour eux, je sais pas. Mais, moi, ça me dégoûte ce genre de saloperie, quoi. Il y a carrément de la mise en scène dans Halo, alors qu'il n'y en a même pas besoin de la mise en scène dans Halo. On s'en fout de Halo, on s'en fout du Spartan, on s'en fout de tout ça. Juste un connard qui tire sur des extraterrestres depuis je sais pas combien. Depuis le début, j'ai joué à Halo 1. Halo Infinite, c'est exactement la même chose que tu faisais dans Halo 1. Ça n'a pas évolué. C'est un connard avec dans une armure qui tire sur des bestioles qui ont des drôles de voix. Des extraterrestres avec des drôles de voix. C'est tout. Sauf que là, maintenant, il y a des singes. C'est de la merde. Et ils ont réussi à foutre de la mise en scène dans ce truc nul à chier. Et dans Cyberpunk, il n'y a pas de mise en scène. Putain, ça me dégoûte. Moi, ça me fout la rage. Ça me fout la rage. S'il y a bien un jeu qui aurait dû avoir de la mise en scène, c'est bien Cyberpunk 2077. C'est le jeu qui aurait dû avoir une mise en scène. Et les mecs, ils ont recommencé leur connerie tellement qu'ils avaient la flemme. Avec le DLC de ça, on aurait pu avoir une putain d'ambiance avec la caméra qui bougeait et tout, plan séquence stylé. Bref. Moi, ça me dégoûte ce genre de conneries. Il y a des fils de pute qui soutiennent ce genre de merde. Comment tu peux soutenir ce genre de merde, quoi? Comment tu peux faire pour soutenir une merde pareille? Ce choix de caméra à la première personne et qui reste constamment à la première personne. Mais allez vous faire foutre, c'est des projets. Allez vous faire foutre, quoi.